Ah, enfin Culture Bulle, bonsoir à tous, nous sommes le mardi 3 mai, c'est Culture Bulle, j'espère que vous allez bien. Ce soir, place à une émission Vega Dupuis, on va parler de manga, ce qui n'est pas pour me déplaire en vérité. J'espère que vous êtes déjà bien présents dans le chat et que vous êtes bien installés. On déroge pas à la règle, on déroge pas à nos habitudes. Notez votre début de semaine, une note sur 10 s'il vous plaît, savoir si ça démarre plutôt bien et aussi savoir si à la fin de l'émission vous êtes beaucoup mieux. Oh, et surtout le petit point à souligner, c'est que ça brise la glace entre nous en ce début d'émission et ça me permet de voir si le chat est bien réveillé. Il y a pas mal de monde qui arrive. Il y a Space qui est rue, qui a mis moins 5, qui doit être dans le pôle Nord. Osanago Sama qui dit 10. Monsieur Graou qui dit 9 sur 10. Eugy Quizobird qui met 1. Et Shikamaru qui met 9 sur 10. Bonsoir à tous. En tout cas, merci d'être avec nous. Je vais vous donner le programme sans plus attendre. Je vais vous donner le programme de la soirée. On va commencer par les news comme d'habitude pour être au courant des dernières dingueries, des dernières foleries comme on dit chez moi. Ensuite, on va parler du Seinen Primal God in Ancient Time. Mon anglais est dégueulasse, mais ça, on s'en fout. On poursuivra avec notre invité, une petite interview et un petit débat avec notre invité que je vais vous présenter dans quelques instants. On poursuivra encore avec un shoujo cette fois qui s'appelle Mimizuku qui sort cette semaine également. Et enfin, l'agenda des sorties. Restez bien connectés pendant toute l'émission. Il y aura deux concours et donc deux mangas à gagner pour des heureux élus ce soir. Sans plus attendre, le programme est chargé, mais je peux pas l'assumer tout seul. Donc, sans plus attendre, on va accueillir notre équipe de choc. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut, salut. Alors, je présente Sébastien, qu'on ne présente plus d'abord. Ici, on n'est pas très galant, tu remarqueras directement ce soir, excuse-moi. Ah, l'égalité, t'inquiète. Ouais, on enchaîne avec Sébastien, qu'on ne présente plus, qui est l'homme de la semaine, pour moi, à mon cœur. Il sait pourquoi, un peu. Il sait pourquoi, c'est un truc. c'est un petit truc, voilà. SO à Sébastien, notre expert en manga, qui est représentant de chez Vega Dupuis, qui a la com chez Vega Dupuis. Tu vas bien? Ça va très bien, et toi? Comment tu notes ta semaine? Ton début de semaine, plutôt. Écoute, en vrai, je le note, je lui mets bien un bon 9, hein, parce que hier, petit repas de l'Aïd, très cool, là, j'ai bien mangé, ça m'a bien mis, je suis très bonne humeur. Tu m'étonnes. Et bien sûr, on a la géniale mademoiselle Soso avec nous ce soir. Ça fait longtemps, longtemps que je voulais t'inviter et tu es là. Ah, donc nous sommes heureux. Bonsoir Soso. bonsoir Pierre, bonsoir Sébastien. J'espère que vous allez bien. Yes. Alors comment tu notes ton début de semaine? À tous nos amis musulmans et merci. Passer un bon Aïd. Bah écoutez, ouais. Moi ma semaine si je dois lui donner une note. attendez. Ton début de semaine, ça veut dire hier ou aujourd'hui quoi. Ouais. Ouais ouais. Écoutez, on va lui mettre un 7. Bah c'est déjà pas mal 7. Ouais, en vrai, alors, je suis sympa. L'objectif, c'est encore une fois qu'à la fin de l'émission, on soit tous à 10 sur 10. Moi, personne ne me demande, tout le monde s'en fout un peu de mon début de semaine, mais je mettrai un 9. Ça, c'est pour que vous le sachiez comme ça en passant. Pierre. Moi, je mettrai un petit 9, pour les mêmes raisons que Sébastien. L'Aïd, ça a bien commencé. J'ai vu de la famille que j'avais pas vue depuis longtemps, donc ça fait toujours plaisir et ça recharge les batteries pour enchaîner justement Culture Bulle et nos autres activités de la semaine. On commence l'émission, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des news. Alors, je me suis fait plaisir pour les news de la semaine. On a pas mal de news. On a deux news qui vont parler de cinéma. On va commencer avec la moins bien des deux. On va vous parler du film Avatar 2 dont la date de sortie a été annoncée. Alors, le premier volet est sorti, je sais que ça te fait plaisir Sébastien, le premier volet est sorti en 2009, il a rencontré, quoi que Sébastien en pense, un énorme succès. Moi je suis allé le voir deux fois je suis allé le voir, donc j'ai quand même aimé le film. Comment? Bah, il aime tout Seb. Attends, ouvre le débat après, laisse-moi dérouler. Vas-y. Donc on est quand même 2009, ça fait 13 ans après la sortie du premier. Et la question que je me posais en voyant justement ces annonces et les leaks qu'il y a eu aussi, qu'on peut pas vous montrer ce soir, mais que vous pouvez trouver facilement sur Internet, est-ce qu'il est pas trop tard pour Avatar? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ok, bon, je commence déjà.
Mais non, mais je crache mon venin. Non, mais je peux comprendre qu'on aime bien. C'est juste que je vois pas l'intérêt d'Avatar vu que c'est la même histoire que Pocahontas. Et comme j'ai pas aimé Pocahontas, bah j'aime pas Avatar. Voilà. Mais moi je trouve que c'est un film colonialiste. Enfin bon, il a plein de problèmes. Voilà. On n'est pas sur Les un film termes. politique, donc je vais me calmer. Mais voilà. Du coup, j'ai pas aimé. Après, visuellement, il est très chouette, mais je le trouve super creux. Et j'aurais préféré que. J'aurais préféré en fait qu'il y ait un scénar. En fait, un vrai Ouais. scénar. On a, c'est assez divisé dans le chat. On a Space Hero qui dit mieux. Parfois on dit mieux vaut tard que jamais, et parfois on dit vaut mieux jamais. Ça, c'est très dur pour Avatar. On a une autre personne, j'ai vu passer, parler bien d'Avatar, excusez-moi. Moi, j'ai quand même aimé, et c'était surtout le défi technique à l'époque qui m'a fait rêver à l'époque, tu vois. D'où ma question, est-ce qu'il n'est pas trop tard aujourd'hui, vu qu'apparemment, ça n'amène aucune innovation aujourd'hui? Est-ce que le public va être encore au rendez-vous? Qu'est-ce que tu en penses, Oso? Moi personnellement à l'époque j'avais beaucoup aimé, j'étais allée le voir en plus en 3D, c'est ça? Yes. Ouais, en 3D à l'époque avec les lunettes et Quel j'étais malheur. subjuguée visuellement. Après James Cameron il a toujours fait pour moi des bons films. Après c'est un bon Ah film ouais. en soi, regardez, on n'est pas sur le film d'auteur hein, mais après je trouvais quand même que le message était plutôt cool en mode dégager notre planète du coup l'écolo et qu'il y en a un qui justement deviennent comme eux plutôt que les eux deviennent comme les humains et j'avais trouvé que ça renversait un peu le truc. L'histoire était simple mais en même temps je l'ai bien aimé. Il y avait un côté très très écolo, très proche de la nature que j'avais bien aimé, tout le Il y délire des avait navires et tout. Michel Rodriguez. Oui. Après, c'est vrai qu'il y avait Non, bah non, je le peux fameux m'appeler. stéréotype du soldat pas content, je déteste tout le monde, je suis américain, Américain, ouais. Bien scrouille. sûr. Mais bon, ça marche quand même, ça marche quand même. Mais Ouais, tu moi, crois j'avais qu'il y bien a quelque aimé. chose, mais ça marche, ouais. Mais après, je trouve Après, t'as les que, images. bah, moi, j'attends le 2 en soi, je pense que ça peut. Soit ça va être un flop, soit. En fait, on l'a tellement attendu que du coup, on s'attend à rien, donc on peut que peut-être être content. C'est ce que je me dis. Peut-être qu'ils vont creuser un peu plus l'histoire. Peut-être qu'il y aura un autre délire à côté. J'en sais rien. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Peut-être que ça va faire comme le dernier Matrix qu'ils ont sorti, qui était. Tu sais que j'ai toujours pas vu. J'ai trop peur. J'ai trop peur. J'ose pas. J'ose pas. Moi, je l'ai vu, et je me dis, ah, je l'ai vu, et je me suis dit, heureusement que je l'ai pas vu au ciné. Ah. Non, mais en vrai, je pense que vous n'avez rien à craindre. Hein. Je pense que le film il va être magnifique. Parce que des images qu'on voit déjà de tournage ou quoi que ce soit, a priori, le film va être juste somptueux. Donc, va faire parler de lui. Et vous inquiétez pas, la machine marketing va fonctionner à blinde. Et bien sûr qu'on va voir que ça partout. Le film, il va être à l'affiche dans tous les sens. Ils vont déjà ressortir le 1. Parce que comme tu le disais, effectivement, le film, le premier, il est sorti il y a longtemps. Donc, il y a plein de gens qui ne l'ont pas vu. Parce que toi, Soso, quand tu l'as vu, t'étais ado, c'est ça, genre? T'étais peut-être même plus jeune que ça? J'avais Ah non, tu sais que je suis pas si jeune que ça maintenant, hein. Tu sais, je vais avoir 31 ans, donc quand il est sorti, j'étais Aïe. fin lycée, hein. Merde. Là, j'étais fin lycée. Tu vois, mais du coup, il y a des ados, en fait, tu vois, il y a des gens parmi tes viewers, tu vois, qui vont aller le voir au ciné pour la première fois, en fait. Oui, c'est vrai. Et du coup, qui vont Ah. aller le voir avant d'aller voir le 2. Non, moi, je pense qu'il va cartonner, hein. Il y a peu de chances qu'il marche pas. J'ai Oui, pas je pense. vu, j'ai pas vu si techniquement il a été si le 1 avait vieilli techniquement. Je l'ai pas vu depuis très longtemps, en fait. Si Je l'ai vous avez jeté un revu œil, pas du tout. et clairement, il a très très bien vieilli. Donc Est-ce non, que non, c'est pas aucun un souci. signe aussi qu'il était en avance, il était extrêmement en avance sur son temps? Oui. Ouais. Oui, ils avaient mis le pâté, le cachet, ils avaient mis le pâté, hein, clairement, niveau effet. C'est pour ça qu'il vieillit aussi bien. Bah, après, quand tu regardes certains Matrix, moi je me refais les Matrix une fois par an, ça vieillit bien aussi. Après, il y avait des. Je pense que des fois, il y a des performances techniques qui vieillissent bien quand tu pars pas dans Ouais. trop de 3D ou de trucs comme ça qui peuvent très mal vieillir. Il y a certaines performances techniques qui finalement rentrent très très bien. Donc, Bah, regarde Ouais, je suis Jurassic d'accord. Park. Hein. Jurassic Park, le tout premier, c'est 91 ou 93, je sais plus. Le film, il a absolument pas vieilli. Hein. C'est les Ouais, mais costumes et les coupes de cheveux à la limite qu'on vieillit, mais pas les effets spéciaux. au final, c'est autre chose, parce que dans Jurassic Park, le premier, on voit très peu de dinosaures. En vérité. T'as un En termes peu, mais quand même, en ça termes va. du temps à l'écran. En termes de temps à Oui. l'écran. En fait, t'as plus des boum, Tu vois, ils sont boum, pas loin. boum. Ils arrivent. Maintenant, on Ils court. arrivent.
Ah, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. La scène de poursuite du T-Rex dans la nuit, t'as la scène des Diplodocus, quand ils sont Ah, j'ai un dans la flou. plaine et qu'il y a tous les Triceratops et machin. Non, non, franchement, on les voit. Par contre, là où ils sont malins, c'est qu'effectivement, dans Jurassic Park, on fait du mélange d'animatronics et d'images de synthèse, ce qui fait qu'il y a du mélange d'effets spéciaux numériques et d'effets spéciaux classiques, enfin physiques, et c'est ça qui fait que ça marche bien. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, les vieux Star Wars vieillissent mieux que la prélogie, parce que la prélogie, c'est du full numérique, et que du coup, ça passe mal. Je pense que, indépendamment des qualités qu'on peut penser des épisodes 7, 8, 9, je pense qu'ils vont mieux vieillir, tu vois, en termes de rendu à l'image, parce que justement, les 7, 8, 9, ils ont su refaire ce mélange, faire de l'image de synthèse, mais pas que ça. Ouais, D'accord. je suis En tout d'accord. cas, Comme n'hésitez tu as pas à pu nous dire dans parler. le Belle la ref. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous attendez Avatar. Soso, toi, j'ai compris que tu l'attendais. Seb, un peu moins, mais je suis persuadé qu'en voyant le move commercial que tu vas te manger de plein fouet en décembre, bah, tu vas aller le voir comme tout le monde. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous attendez Avatar 2, donc qui sortira, j'avais la date tout de suite que j'ai déjà oublié, le 14 décembre 2022. Et on va pouvoir passer à notre prochaine news qui est encore du cinéma. On est à la veille de la sortie de Doctor Strange 2. On était obligé d'en parler, sachant que je suis un gros gros fan du MCU. Ça sort demain. Ce sera Day One pour moi. J'y vais demain soir. Normalement, j'ai déjà pris mon billet depuis un bon petit 2 semaines. C'est le deuxième projet. C'est le 11e projet du MCU en 2 ans qu'on se mange. Et Black Widow, Eternals, WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki, Hawkeye, Shang-Chi, What If, Spider-Man No Way Home, Moon Knight et enfin Doctor Strange. Vous allez voir où je veux en venir. On commence, cela dit, à ressortir une certaine lassitude autour de ces projets. Est-ce qu'on est à un tournant avec Doctor Strange? Est-ce que si le film déçoit, il y a eu beaucoup de déçus déjà sur Spider-Man, est-ce que si le film déçoit, ça peut être un tournant pour le MCU, la phase 4 du MCU? Qu'est-ce que t'en penses, Soso? Attends, attends, attends. Déçu par Spider-Man? Moi, oui. Là, Ben ouais, il y en a eu, Il y en a Attends, eu, quoi? il y en a eu. Moi, j'ai été déçu. Attends, je te parle pas de voir Tobey Maguire et Andrew Garfield. C'est cool. Il y a pas de problème. Là, il y a pas de Ouais. problème. Mais c'est un bon divertissement. C'est pas un bon film. T'es sérieux? Je suis ultra sérieux. Ah Je ouais, vois un peu ce que tu veux dire et je oh! suis un peu d'accord avec lui. Pas complètement, mais un petit peu. Il est un peu Bah, facile et il y a des gros il est problèmes très fan scénaristiques service. On va pas dans mentir, il est le très film. fan service. Mais par contre, moi, je me suis vraiment. Enfin, j'ai vraiment passé un très bon moment. Après, oui, c'est un Ouais, peu la pareil. nostalgie aussi dans cette histoire. Mais après, l'histoire en soi, le jeu d'acteur de Tom Holland, les plots twists dedans, Tante May, il y a eu plein de choses que j'ai kiffé. Le retour d'anciens méchants. Moi, j'ai lâché ma petite larme au ciné. J'ai quand même passé un très bon moment étant fan de Spider-Man, c'est mon héros préféré à Marvel. De Après, même. pour ce qui est de Doctor Strange, je pense sincèrement que c'est un des héros. Je déteste ce terme, hein, mais je vais l'utiliser. Enfin, voilà, Go. désolée. On Je va le plutôt trouve on de va tous couper. les côtés. Je trouve Doctor Strange de tous les côtés. Je trouve qu'on ne met pas assez l'accent sur ce personnage absolument incroyable. D'accord. Je trouve qu'il est Je suis d'accord. beaucoup trop fort, beaucoup trop chaud, beaucoup trop intéressant. Et du coup, moi, j'attends vraiment celui-là parce que, bah, à la fin de No Way Home, il y avait justement ce petit teaser qu'on avait sur ce film. Et du coup, je l'attends vraiment parce que moi, le premier Doctor Strange, je l'avais grave kiffé. Parce que Pareil. je lis pas du tout les comics, donc je ne regarde que les films. Ah ouais. Et quand j'avais découvert Doctor Strange, donc je ne connaissais pas de base, j'étais en mode, mais putain, mais c'est génial! J'ai trouvé l'univers très complexe, toute l'histoire vraiment très recherchée. J'ai trouvé ça très très cool. On est sur un héros qui n'est pas forcément jeune, beau, tout le tralala. On est vraiment sur un mec qui revient de loin et bon, il a quand même un sacré charisme. Mais moi, je trouve que ça peut être vachement cool. Après, c'est vrai que les derniers Marvel qu'on a eu ces derniers temps, en soi, il y avait que No Way Home qui m'a vraiment subjugué. Mais sinon, je suis un peu fatiguée de tous les Marvel qui sont sortis. Je D'où ma ne peux pas question. les voir, mais voilà.
D'où ma question, c'est vraiment, on est vraiment dans un matraquage aujourd'hui, et j'ai un peu peur que l'erreur que Disney avait commis avec Star Wars, justement, se répète. À un moment, ils avaient sorti Solo, et Solo n'avait pas pris du tout, et ils ont fait machine arrière un peu, tu vois. Ouais, mais il y Qu'est-ce que a t'en eu penses de Rogue Attends, c'était quoi? Rodwan? Je sais pas comment c'est. One, Rogue One. Rogue One, ouais, tout à fait, Rogue ouais. One. Rogwan était très bien, mais Solo, Incroyable, Rogue c'était One. pas. Bah oui, Non, après, quand mais. on sort beaucoup trop, voilà, c'est compliqué, mais. Vas-y, ça, excuse-moi. Non, 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 je t'en prie. Non, mais je pense que c'est différent. Déjà parce qu'il faut quand même bien faire la différence. La différence fondamentale qu'il y a déjà entre le MCU et les films de Star Wars, c'est que le MCU, il crée un truc à partir des comics, mais il crée du matos original tout en s'inspirant du comics, mais sans ayant aucun canon à respecter. Alors que sur Star Wars, il y avait tout l'univers étendu des romans et des comics, mais il y avait le canon qu'il fallait respecter. Il y a des trucs qui faisaient pas partie de la timeline officielle entre guillemets qu'ils pouvaient pas utiliser. Là sur le MCU, ils ont pas cette contrainte. Et en plus de ça, il y a quand même pas mal de choses qui font que ça devrait très bien marcher. D'abord, Benedict Cumberbatch, ça reste un acteur qui est encore très populaire. Doctor Strange, certes, les gens qui ont découvert le héros comme toi, Soso, au cinéma, le connaissent assez peu et peuvent l'avoir aimé, mais il a du coup une base à côté. Il a aussi une base de fans très solide. Parce que c'est un personnage qui est pas du tout sous-coté dans l'univers du comics. Il est hyper important et il a énormément de fans. En plus de ça, comme le dit, alors attends, qui c'est qui disait ça dans le chat? C'est Xentos qui disait que c'est Sam Raimi à la réalisation. Donc Sam Raimi, pour rappel, c'est le réalisateur des Evil Dead et c'est le réalisateur de la première trilogie des Spider-Man. Donc c'était des films qui étaient très inventifs en termes de cinéma. Donc non, je pense que le film va être intéressant. Et puis de toute façon, à nouveau, là, on va avoir. Enfin, il n'y a pas un seul film de gros héros. Shang-Chi, tu vois, ou les trucs comme ça, c'est différent. Mais il n'y a pas un Là, tu seul gros Shang-Chi. héros Marvel. Non, mais le film est bien. Mais le héros, pour le coup, est vraiment pas été poussé. C'est différent comme film, etc. Mais tous les gros films, que ce soit des Hulk, des Iron Man, tout ça, etc., ils ont tous fait des gros scores. Il y a peu de chances que celui-là échappe à la règle. Et après, en plus, comme tu le lis à Vendavision et que Vendavision a carton, enfin en tout cas, il Retenez. a, oui, il a bien marché, mais en plus, il a marqué les esprits. Je pense que ce film devrait marcher, ouais. Oui. Ouais, mais on va se projeter dans un futur, dans un multivers futur alternatif. On est 6 mois après la sortie de Doctor Strange. Le film, les critiques le descendent. Est-ce que ça vous pousserait à continuer à aller voir les films comme vous allez les voir aujourd'hui? On sait qu'il y a Thor aussi qui arrive, dont les deux premiers sont pas terribles. Le troisième passe, le quatrième. Si Doctor Strange ne marche pas, il y a un risque pour le reste du MCU. Même s'il y a des séries qui sont pas mal encore, on parlait de WandaVision tout de suite. Moi, je suis en train de regarder Moon Knight qui est vraiment pas mal aussi. Est-ce que vous pensez que Ouais, ça mais se tient quand même? oui, parce qu'au pire, ils iront sur Disney+. Si le film, tu vois, si le film se vautre au cinéma, et ben au pire, les prochains films de la phase 5, ils passeront sur Disney+. De toute façon, Netflix vient de perdre 200 000 abonnés. Disney+ est en train de progresser. Pour eux, ce sera l'occasion de se dire, bah vas-y, on passe tout en full VOD. Tu vois, c'est ce qu'ils avaient fait déjà. La Veuve Noire, de mémoire, il était sorti. Black Widow, il était Black sorti Widow. en VOD en même Oh, temps, Black Widow, puisqu'elle avait qu'est-ce fait un qu'il était scandale. nul. Il est éclaté au sous-sol, abusé. Oh, éclaté au sol contre un mur. Oh là là. Oh là 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 là. Tu sais que vraiment, en 30 ans de carrière, hein, vraiment, j'ai jamais dormi au ciné. Et là, j'ai tapé 30 minutes de somme. Vraiment, genre, je me réveille de temps en temps. Ah, Dur là. c'est toujours nul. Je dors. J'ai jamais dormi au ciné. Vraiment. Et pourtant, je suis allée plein de fois au ciné. Là, vraiment, c'était, mais d'une nullité incroyable. Désolée pour ceux qui ont bien aimé, mais waouh. Est-ce qu'il y en a? C'est la vraie question qu'on doit poser. Est-ce qu'il y en a? En tout cas, pour Doctor Strange, Multiverse of Madness, c'est verdict demain. Il est en salle demain. Moi, je tweeterai à ma sortie du cinéma. Suivez-moi sur Twitter. Si vous arrivez sur l'émission Culture Bulle, si c'est votre première fois, n'hésitez pas à suivre la chaîne. On est là tous les lundis. Normalement, aujourd'hui, c'est mardi exceptionnellement. Mais abonnez-vous à la chaîne. On est là tous les lundis. On parle de manga, de bande dessinée et de webtoon. Et on va pouvoir enchaîner avec notre troisième news qui parle du tome 8 de Manchuria Opium Squad. Je peux pas faire une émission sans parler de Manchuria, excusez-moi. Qui parle de Manchuria, du tome 8 de Manchuria Opium Squad qui approche le million d'exemplaires au Japon.
Moi, perso, je ne doute pas de la qualité de l'œuvre. Je la market sur Twitter, sur Insta, à mes proches, etc. Mais est-ce que, je me suis posé la question que je vais poser à toi, Seb, dans un premier temps, et Soso, tu répondras avec moi après. Est-ce que, si tu as des exemples, est-ce que le fait que ce soit, que ça commence à être un gros succès au Japon, est-ce que ça garantit son succès dans le reste du monde? Et avez-vous des exemples qui prouvent le contraire ou qui appuient cette thèse? Bah, des exemples du contraire, ouais, il y en a un paquet, hein. Il y a un paquet de mangas que tu peux pas sortir au Japon parce que c'est des sujets très spécifiques et que le design va pas plaire, ou t'as des œuvres. Alors déjà, t'as tout un tas d'œuvres que tu pourras jamais sortir en France parce que ça fait genre 145 tomes, le design est très particulier et le thème va pas parler, que ce soit Cooking Papa, que ce soit comment Kamehari, enfin Kochikame, qui est donc la série que beaucoup de gens connaissent, c'est une série mythique du Jump qui parle des tribulations d'un flic un peu véreux, d'un petit commissariat de quartier. Bon, ça va pas marcher, quoi. C'est 120 tomes de blagues, ça ne passe pas en France, quoi, ce genre de truc, tu vois. Et Mais puis, t'as des l'inverse, ça va marcher. mangas. Pardon? Ouais, et puis l'inverse aussi, t'as des mangas qui cartonnent en France, qui sont pas spécialement des gros succès au Japon. On pense à Ubelblatt chez Kipun à Pense à l'époque. Claymore. On pense à Tani. Claymore, alors Claymore c'était quand même un petit succès, ils ont fait un animé, tu vois, mais même les mangas de Taniguchi, tu vois, genre Taniguchi en France, tout le monde est là, genre, waouh, Taniguchi, Taniguchi, au Japon, il n'y a vraiment que les connaisseurs connaisseurs, en fait, qui connaissent Taniguchi, les gens connaissent pas. Voilà. Ah, c'est clair. Mais après, je pense que oui, je pense aussi ça dépend aussi de la com. Il y a plein de choses qui Entre en peuvent jeu, faire ouais. en sorte que ça puisse flop ou pas en France, parce qu'au Japon, il y a tellement une culture manga qui est encore différente de la nôtre, qui fait que pour eux, c'est normal d'acheter du manga, de lire du manga, d'aller acheter son Jump ou son Shonen, son Shonen Plus ou quoi que ce soit. Après, en France, oui, je pense qu'il y a une question de marketing, je pense qu'il y a une question d'histoire aussi. Il y a des choses qui vont plaire aux Japonais, qui nous plaisent De pas culture aussi, forcément. peut-être. Oui, au niveau culturel, par exemple, je sais que en France, l'isekai marche plutôt bien, parce qu'en même temps, on est bombardé de ça. Au Japon, c'est un délire. L'isekai, c'est le truc number one. Leur numéro un, c'est que des isekai. Et nous, on est un peu fatigué d'isekai. Au bout d'un moment, on est un peu en mode bon, on est plus hypé par maintenant même des one shot, des choses un peu plus même dans le dans du réalisme, comme tu dis, il y a des auteurs qu'on apprécie beaucoup qui sont là-bas, bah finalement, ouais, c'est cool, mais sans plus. Et c'est vrai que bah je pense à certaines œuvres. Pour nous, par exemple, Berserk, c'est Ouais, oh mon Dieu, et une là-bas ils sont dinguerie. oui, c'est bien, mais c'est pas non plus, c'est même pas dans leur top 30, quoi. C'est Bah, c'est ouf. triste, là, C'est ouf. tu vois, chacun a ses attentes, J'aime et bien je quand tu pense lèves les que yeux comme ça au Patafric. ciel, Seb, parce que tu réfléchis. Si ça se voit, tu vas lancer une dinguerie dans pas longtemps. Ouais, il est en train de faire toute Non, la mais dinguerie non, là. mais Non mais ouais c'est enfin ouais après Berserk je pense c'est quand même c'est évidemment c'est pas au niveau des meilleures séries de chez Kodansha ou Shueisha mais pour Akusensha c'est un très bon score mais c'est vrai qu'on sait que Fairy Tail tout en étant c'est pas un échec hein, on va pas mentir ils ont pas fait Bien sûr combien que non. 60 61 tomes je sais plus d'un manga et ça c'est pas un échec mais en France, il y a eu une période où le titre était numéro 2, voire numéro 3. Il n'a jamais atteint ce rang au Japon. Jamais de la vie. Ouais. Mais il a trouvé son public en France et je connais ton amour aussi pour Fairy Tail. Tu nous as manqué la semaine dernière, justement. J'avais hâte de débattre de Fairy Tail avec toi, justement. Moi, j'ai une petite une petite frustration commence à naître en moi, que j'arrive pas à convertir les gens en masse à Manchuria Opium Squad. Est-ce que vous avez des œuvres, dont vous êtes frustré d'être, d'aimer avec un petit groupe de personnes et vous espérez en secret que ça bombarde. Et c'est interdit de dire dan dan dan. Merci Soso. Ah, je suis outrée! En fait, j'étais en train de dire, attends, je regarde un manga plus vite. Et après, je suis en train de dire, oh, je réfléchis, du coup, par-dessus, ils m'ont enlevé mon Ouais, truc. parce que faut que ça soit une petite offre, tu vois, tu peux pas non plus dire Tokyo Revenger, tu vois, je veux dire, bon, voilà, Ouais, tu bien peux. sûr. Non, Bien sûr. mais Attends, alors, parce enfin. qu'il y a aussi, y a aussi de grosses œuvres qui n'ont pas, qui n'ont pas, qui sont pas rentrées dans les ultra cultes.
dans le grand public. Quand je te dis ça, je parle Bien sûr. de, par exemple, Vinland Saga, qui est cité tout de suite par Monsieur Graou. Vinland Saga, nous, on va être à Le fond Vinland dedans. Saga. Nous, non, nous, on va être à fond dedans, mais dans les cours de récréation, ça doit être un peu moins rare, un peu plus rare, je pense. Non, mais Tu les comprends ce cours que je de veux dire? récré, c'est normal. Vinland Saga, c'est pas pour les enfants, tu vois. Mais Vinland Ah, Saga, il faut, au faut lycée, il y a une remettre les choses. récréation. Non, mais il faut remettre les choses en perspective. Vinland Saga, c'est loin d'être un échec commercial. Alors, à la limite, tu vois, si tu veux choisir un titre chez Kurokawa qui n'a pas le succès qu'il mérite en France, c'est pas Vinland Saga, c'est Ippo dans ce cas-là, tu vois. Ouais, Ippo, Ippo. clairement, en France, ne mérite pas le succès, n'a pas le succès qu'il mérite parce que c'est une œuvre incroyable. Et en plus, ça a toutes les qualités que les fans de manga peuvent attendre d'un shonen, tu vois, de sport ou d'action. Et c'est incompréhensible que les gens ne soient pas tous en PLS à chaque sortie de Ippo parce que c'est beaucoup trop bien. Ouais, c'est Ah, ouf, parce Ippo. qu'après, en même temps, il y a beaucoup de tomes. Je suis pas sûre que la France soit Non, mais les la plus grosse consommatrice de manga sport. En soi, le manga de sport, j'ai l'impression que ça marche très bien en anime, mais moins en manga, quoi. Et je pense que les gens Ouais, veulent voir de je... l'action, veulent voir des gens jouer au volley ou au basket, mais veulent voir en animation, plutôt qu'il y a plus de gens qui lisent, qui regardent Haikyuu ou Kuroko, ou Slam Dunk, même si l'anime est très vieux, ou qui iront voir le film, plutôt qu'ils lisent le manga, malheureusement, même si les Je dessins de vois Takehiko Inoue sont incroyables. D'ailleurs, je trouve que Vagabond n'a pas assez de mise en avant. Après, bon, si l'éditeur voulait bien rééditer ces tomes, ce serait pas mal, là. Ouais, ce serait Mais ça, ça tuerait, ça tuerait même. Mais je dois citer quelqu'un qui est pas assez vu. Après, c'est vrai que c'est un registre qui peut ne pas plaire à tout le monde. Je dirais Junji Ito. Je dirais que le manga d'épouvante horreur est pas assez mis en avant. Même dans les librairies, je trouve qu'il devrait faire un espace vraiment juste horreur, pas juste le mettre dans le seinen, mais dans l'horreur, parce que clairement, quand je vois des Dragonhead, voilà, toute la série des Junji Ito ou des Lovecraft faits par Kiyun, je me dis, mais mettez ça en avant, c'est incroyable. Les gens se diraient que le manga, c'est pas que le shonen classique. Et Zen. voilà, enfin, je pense que ça pourrait être vachement cool de mettre ça en avant, quoi. On a Zentos dans le chat qui nous dit Toriko. Je pense qu'il est là pour nous troller un peu. Je devine ton amour pour Toriko, Seb, connaissant ton amour pour Fairy Tail, qui pour moi sont à peu près dans la même case. Hein. Quand on manquait de Naruto et de Bleach, il nous restait Toriko il nous restait Ah, Toriko t'es dur. et Fairy Tail. Franchement, t'es dur pour Hiromashima de foutre Toriko dans le même niveau, quoi, parce que Fairy Tail, c'est bien dessiné quand même, au moins. Bon. Quand même. Et Ça tire à l'audace. balles réelles. Bah, tu vois, par Enfin bon. contre, si je peux me permettre, on parlait d'un style qui a du mal à percer en France, qui marche très bien au Japon. Tu prends le style du Furio, c'est un truc de ouf. Comment ça a du Mais mal c'est. à arriver en France? Tokyo Revengers, c'est du Furio gentil. Je veux dire, par exemple, du même auteur, il y a Shinjuku Swan. Ils ont eu droit à un live action là-bas qui a super bien marché avec l'acteur le mieux payé du Japon. C'est un délire, ça, c'est très bien vendu. Nous, en France, calme plat. Et en fait, il y a plein de Furio qui ne marchent pas en France. Crow Zero, il y a Crow, tout ça, machin. Genre, en France, c'est... Alors que je suis sûre que ça pourrait super bien marcher si on y mettait Ouais. une bonne com, si on mettait des influenceurs dessus, parce que moi je suis la première à adorer ça. Et je pense que c'est vachement cool de mettre ça en avant, quoi. Mais faut Dans le chat, structurer si tu veux. Un peu. y a Monsieur Graou qu'on a sorti une pas mal. Il a dit Tokyo Je Revengers, suis c'est un un Furio K-pop. C'est pas mal, ça suis me fait rire encore. fatiguée un peu. Je suis fatiguée. C'est pas faux Là, en je suis vrai. même fatiguée. Oh. Non, elle est pas mal, donc je te cite. Moi, j'ai. En Furio, GTO, on le considère comme un Furio ou pas? Peut-être GTO. les Ah Young oui, voilà. GTO, Oui. Young GTO plus, peut-être, non? Alors Parce Young que GTO GTO, c'est. plus, mais GTO aussi quand même. GTO Ouais, était quand après même c'est une vrai grosse que ref. un peu plus. Ouais, c'est une ref, mais quand il pense, il y a plus de moments où il est avec sa classe, machin, que de moments vraiment, vraiment Un furieux, badass dans la street, tout ça. Goku, voilà. Après, je sais. Il y a plus. Après, il y en a d'autres qui arrivent. Il y a les Rakai Blues qui arrivent. Et je pense que Shade, si t'étais là. c'est pour ça que j'ai cité. Je sais qu'il me surveille d'un œil. Je sais pas où il est, mais j'ai décidé de faire comme s'il était tout le temps là. Mais en fait, il y a Rakai Blues donc qui arrive. Et je pense que honnêtement,
C'est le fait que le shonen a vraiment pignon sur rue, défonce tout et ne laisse de marge à quasiment aucun autre style, mais que justement avec des œuvres, avec toutes les œuvres qu'on vient de citer, ça va, c'est démocratiser un peu le furio ou d'autres œuvres. On va pouvoir continuer l'émission tranquillement et te parler de la première œuvre qu'on a à vous présenter. Ça s'appelle Primal God in Ancient Time. Excusez mon anglais. C'est un seinen de Kenji Tsurubushi et que, comme j'ai massacré le pitch la semaine dernière, une fois de plus, pour ne pas déroger à ma réputation, je vais laisser Sébastien pitcher l'œuvre. C'est parti. Ah, parce que Soso, moi je suis un tueur d'œuvres, hein. Je te présente une Oh œuvre. non. T'as envie? Oula, on a perdu tiers. On a perdu tiers. Je ne vous entends plus. Oula, tu m'entends? Oui, là c'est bon, Ouais. je t'entends. Sébastien, je n'entends pas. Sébastien, on t'entend pas? On t'entend pas, Sébastien? Bah, Bon dis bah donc. Oh non! je vais devoir pitcher l'œuvre. Ah, on a été déconnecté carrément. On a été déconnecté, je crois. Non, non, Ah mais ouais? j'ai Yo les gens. rechargé. Je sais pas. Tu Voilà, m'entends tout là le ou monde est là. pas? Beau résumé parfait. Ça rigole dans le. Oui, je t'entends, je t'ai entendu. Dans le chat, ça dit beau résumé parfait. Je suis vraiment un tueur de pitch. Et l'algorithme a entendu tiers va faire un pitch. Il s'est Oui, dit bah non. il t'a bloqué. Il s'est dit non. Bon, bah on te laisse pitcher Primal Gods, Sébastien. Mais c'est facile de le pitcher. Dans des temps immémoriaux, à l'époque où les capricieux. Non, bon, j'ai arrêté de lire le quatrième degré, là. Attends, mais oublie la question T'es l'expo. de En fait, on se passe, ça se passe dans le Moyen-Âge, le même, le pré-Moyen-Âge japonais, avant que le Japon soit le Japon, quand c'était encore la contrée d'Owa. Et allez, c'est une époque où les dieux vivent encore parmi les humains, entre guillemets. Et donc, c'est un moment où, dans les villages, on fait même des sacrifices humains pour s'accorder, s'attirer les bonnes grâces des dieux, pour avoir des bonnes récoltes, être protégé des contrées environnantes, etc. Et on va donc suivre N, je crois qu'elle s'appelle, non, Mio, une jeune fille qui donc va être sacrifiée à la divinité locale. Donc elle a fait, c'est bon, elle a fait son deuil de la décision. Elle est en mode, bah, c'est comme ça, c'est fini pour moi, tant pis. J'étais jeune, j'avais plein de trucs à vivre, mais ça n'arrivera jamais. Jusqu'au moment où arrive un ascète qui va finalement s'interposer et va l'embarquer avec lui dans un voyage à travers la contrée d'Owa, et elle va donc découvrir les territoires des dieux. Ça Et va le c'est pitch, un. ça spoil Ouais, rien, c'est c'est pas mal. bien. Hein. Ouais, ça spoil rien, mais moi, j'aurais. Franchement, je t'admire, Seb, pour ça. Alors, mon petit avis sur Primal Gods, moi, il y a le petit côté. J'avais lu justement sur votre site le petit côté. Comment ça s'appelle? Studio Ghibli, qui se retrouve totalement. Moi, ça m'a un peu transporté ce truc-là. Il y a pas mal d'actions. Je me souviens plus du nom du petit gars qui est avec eux, mais c'est en fait il y a tous les ingrédients sont réunis pour faire un beau shonen. Maintenant, je vais quand même lire le tome 2. On va dire que c'est une bonne mise en bouche. Tu te rends compte qu'il y a pas mal de possibilités qui sont ouvertes. Et je suis vraiment curieux de lire la suivante. Tu as le temps de le lire, Soso, ou pas? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, qu'est-ce que je pense de Primal Gods T'as in vu l'accent anglais là, a fait ça pour Ancient Maharaj. Primal God in Ancient Times. Now on Times? CBS. Alors, quand j'ai commencé Previously on The Walking Dead. du coup, j'ai commencé la lecture, j'étais un peu en mode flottement. Tu sais, le début, j'étais en mode ok, bon. Tu vois, genre, il y avait des petits bruits d'oiseaux, quoi, à côté, tu vois. Genre, j'étais en mode ok. Bon, après, le pitch, quand même, de base, est. Elle va se faire sacrifier, j'étais en mode. Ok, après que j'ai lu Mizuku, j'étais en mode, c'est quoi toutes ces fans qui vont crever là? Je comprends pas. Ah, c'est chaud. C'est Ah, c'est chaud, c'est chaud. une ambiance. Cette semaine, c'est une ambiance suicide. C'est pas marrant. Ah. Grand
grosse ambiance. Mais du coup, il y avait un côté. Après, quand j'ai vu qu'on partait sur le pays de Oa, j'étais en mode bon, là, vraiment dans une ère que j'apprécie beaucoup. Le fait qu'il y ait des dieux, des divinités dans chaque contrée, dans chaque montagne, chaque forêt. Donc oui, il y a ce petit côté Ghibli qui est bien là, avec comme Mononoke ou même Chihiro. Et du coup, en fait, il y a tout ce petit plot twist qui arrive, on va dire, au un tiers, même pas un quart du manga, qui ont commencé à vraiment me rentrer dedans, qui m'ont doucement rentré dedans, et même au niveau des dessins, je dois avouer au début, qui étaient un petit peu simplistes, un peu, voilà, pas très complexes, et finalement, on arrive petit à petit vers des pages beaucoup plus complexes, et l'arrivée des divinités m'a vraiment ramené dans un milieu très folklorique, et ça m'a rentré, voilà, tu vois, cette page-là, par exemple, Incroyable. elle était vraiment, là, ça commençait à me rentrer dedans, en mode, ok, c'est du sérieux, parce qu'on a l'impression finalement au début qu'on nous speech sur le délire charlatan, et en fait non, on va vraiment dans un délire fantastique à balle, et je me suis dit yes, let's go, et il y a en plus le sujet du voyage dans le temps, j'aime beaucoup, moi c'est quelque chose qui me, tu vois, qui Qui m'émoustille à chaque fois vient, que quoi. Et du coup, j'ai fait ma lecture et j'ai vraiment apprécié. J'ai hâte de voir la suite parce que ce côté un peu aventure, un peu à la Inuyasha, vite fait, m'a un peu hypé. Ah ouais, Plus c'est le pas faux, ouais. côté, ouais, tu vois, un peu ce délire. On va aller de divinité en divinité. Un peu ce schéma qu'il y avait un peu à l'ancienne dans les mangas de type shonen, où t'avais vraiment le côté aventure cyclique. Mais en même temps, on avance avec ce petit groupe, on apprend certaines choses sur certaines personnes du groupe aussi qui sont hyper intéressantes, et le chara-design devient de plus en plus intéressant. Donc comme bah là, toutes les pages là, vous voyez en fait, C'est ouf. quand je compare la première page, les premières pages de ces pages-là, je me dis il y a eu un espèce de grande tarte qui arrive. Non, c'est le spoil, voilà, c'est bien. C'est le spoil ultime. C'est vraiment comment dire? C'est vraiment, on rentre crescendo dans l'œuvre. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Soso, sauf que moi, j'ai une aversion pour les voyages dans le temps. C'est pour ça que j'ai dit que j'attendais de voir la suite. À mon avis, ce ne sera pas utilisé de la manière dont ça me dégoûte. Moi, pour moi, les voyages dans le temps, dans les œuvres, souvent, c'est une petite pirouette scénaristique où tu retombes toujours sur tes pattes, en fait. C'est pour ça que je suis un peu contre les voyages dans le temps. Ça facilite les choses. Toi, Seb, tu as aimé? S'il est chez vous, tu as naturellement aimé. Quels sont les points forts de ce Non, manga-là j'ai pour toi? pas. Alors, je veux dire, il y a des titres que j'aime plus ou moins dans le catalogue. J'ai déjà dit ici, et d'ailleurs, c'est même toi qui défends Zozo Zombie face à moi, hein, pour rappel, tu vois. Beaucoup de mots, Donc non, je en haut n'aime pas avec beaucoup de tout. mots. Tu vois, je n'aime pas tout sous prétexte que c'est chez Vega Dupuis. Pour le coup, Primal Gods, en fait, je souscris à peu près à l'intégralité de ce qu'a dit Soso. C'est-à-dire que j'aime vraiment, justement, oui, tout ce côté folklorique et mythologique qui te fait vraiment voyager. Et c'est vrai que j'avais pas pensé. Autant j'avais, quand Stéphane, l'éditeur, avait parlé de Princesse Mononoké, tout de suite, je m'étais dit, bah oui, on retrouve vraiment ce truc-là. Mais j'avais pas pensé à Inuyasha. Et en vrai, c'est une ref bien jouée. On retrouve effectivement ce petit côté qui est cool. Du coup, Comme et honnêtement, moi j'ai lu le tome 2, si je dis pas de bêtises, tome 2 ou 2 et 3, je sais plus. Et moi je trouve que l'histoire se développe très bien. C'est un manga évidemment qui a pas le côté, comment dire, aguicheur d'un Manchuria. Tu vois, puisqu'on est effectivement sur un truc un peu plus posé, un truc entre guillemets plus faussement culturel. C'est pas vrai en fait, parce qu'on est dans un voyage et dans une aventure vraiment assez, qu'on retrouve dans plein de shonen et qui est cool. Mais le côté, ah ouais, mais c'est dans un Moyen Âge, il y a des dieux, il y a des machins, ça a l'air faussement compliqué et ça va faire peur aux gens. Alors que Manchuria, ils vont rentrer dedans en mode, ouah, de la drogue, des bagnoles et des guns, trop bien. Mais je trouve que les deux C'est sont vraiment exactement ça. cool, quoi. C'est exactement ça, t'as tout à fait raison. Ce qui frappe encore, comme l'a souligné Soso tout de suite, c'est le dessin. Honnêtement, comme elle a dit, c'est vraiment, tu entres crescendo dedans. Et moi, j'ai kiffé le dernier dieu qui rencontre le petit lion. J'ai vraiment kiffé son design. Et j'espère, pour pas vous spoiler, qu'on sera amené à le revoir et à le revoir et encore et encore et encore. Mais lisez-le, c'est vraiment, pour le moment, on a eu trois petites histoires, trois avancées, il me semble, dans leur épopée, qui sont très intéressantes.
Nous, je vous le conseille, il sera à gagner dans quelques instants. On peut lancer le concours, je pense d'ailleurs. On peut lancer le concours si Doug Allez, est prêt. go, hein. Si vous voulez gagner le tome 1 de Primal Gods, il va falloir taper dans le chat. Ce n'est pas un concours de vitesse. Il va falloir taper point d'exclamation Primal. Primal. Sans mon accent anglais du Havre. S'il vous plaît. Oh, pardon. Non, écrivez-le bien, tout ça, voilà. Exactement, ouais, comme ça, vous allez temps, pouvoir... C'est pas un concours de vitesse. Voilà, bah, est-ce que le petit mot que je voulais passer rapidement ce soir, excuse-moi, le petit mot que je voulais passer, c'est on fait des concours, on fait gagner pas mal de choses dans Culture Bulle parce qu'on est des gens cool, on est des gens gentils, etc. Mais n'hésitez pas à revenir dans l'émission la semaine d'après, deux semaines après, pour nous donner vos avis sur la lecture. Nous, on vous prendra, on écoutera ce que vous avez à nous dire et on partagera, c'est du partage en fait, et c'est ce qui est cool ici. Donc n'hésitez pas, si vous gagnez, à taper, à revenir quelques temps après, et à nous dire ce que vous avez pensé de Primal Gods, qui est une œuvre que j'aime bien pour le moment, mais j'attends de voir la suite. Est-ce qu'il y a une autre œuvre que ça vous évoque, vous, à Paris Nu? On a quand même cité Inuyasha et Mononoke, c'est déjà pas mal, moi, je trouve. Ouais, c'est déjà très bien, ouais, c'est déjà très bien. Moi, j'aime bien aussi le... Écoute. Peut-être Dan Dan. Non, hey, tu sais quoi, attends, la vidéo, je rigole même pas avec toi. Je rigole même pas avec toi parce que quand tu remets les images, justement, des dieux, oui, le ce que style tu veux de dire. Dessin, au niveau des dieux, on retrouve ce délire-là que j'aime beaucoup chez Dan Dadan, ou même, vraiment chez Dan Dadan, c'est le dernier en tête qui m'a choqué au niveau de ce genre de dessin avec des chara-design un peu spéciaux, un peu bizarres comme ça, tu sais, les divinités en fait, elles sont pas, il y a pas de délire non plus bouddhiste, ça fait vraiment divinité païenne à balle, genre il y a pas. Ouais. Mais on est dans le Shinto, hein. Ouais, on est à mort dans le Shinto là. Ouais. Dans le Shinto, donc vous voyez le sur la jaquette de Primal Gold au fond, des divinités. Il y a ce délire complètement bizarre au niveau du dessin qui est un peu dérangeant, qui est gros, le style en termes de profondeur de dessin rend le truc géant, justement ce petit. Cette divinité, la dernière que je vois qui se transforme à la fin, je suis en mode OK, là elle en impose, tu vois. Donc, c'est vrai. Okay. Du coup, tu retrouves un peu ce délire. Tu retrouves un peu ce délire, du coup, quelque part, dans certaines formes finales des démons dans Demon Slayer, en fait, dans ce cas-là. Bien sûr. Aussi un petit bien peu. Sûr. Bien sûr. Dans Jujutsu, sans évidemment tout le truc autour, mais sur le design des méchants, tu retrouves un peu ça aussi, ouais. C'est vrai. Ouais. Après, je pense que ça fait partie de leur folklore un peu de les dessiner comme ça. Absolument. Et c'est tant mieux pour nous, on se régale. On va mettre un terme au premier concours de la soirée. Il y en aura donc un deuxième en fin d'émission et on va tirer au sort le gagnant, s'il te plaît, Doug. Dans un instant. Alors le gagnant est Sylvain. Ouais, c'est pas mal, franchement. Le gagnant du concours est Sylvastris, qui gagne un tome de Primal Gods. N'hésite pas à nous envoyer tes coordonnées. Tu contactes le compte Dupuis Direct directement sur le chat. Tu nous envoies ton adresse et tes coordonnées. Nous, on t'envoie le tome. On te donne rendez-vous également dans quelques semaines pour nous faire un retour. Tu fais ta fiche de lecture chez toi, tu te débrouilles et tu reviens dans l'émission. Sinon, on viendra te chercher chez toi vu qu'on aura ton adresse. Voilà. Et, c'est leur tellement, il n'y a pas de problème. On peut enchaîner et on peut continuer l'émission. Donc, on a un petit dossier, un petit thème que j'ai jamais traité moi personnellement, mais que je vois souvent passer sur Twitter, sur les réseaux ou sur d'autres émissions Twitch. Lorsqu'on est fan de manga, est-ce qu'il est possible d'être manga ou anime only? Toi, So, tu es plutôt manga ou anime déjà dans un premier temps? J'ai été pendant longtemps anime only, j'ai découvert l'existence des mangas, j'avais 12 ans, ou 12 ou 13, donc vivant dans ma petite campagne et n'ayant absolument personne autour de moi qui disait ça, je ne savais pas que ça existait, mais du coup j'ai été longtemps anime only, et je dois dire que actuellement, ces dernières années, ça doit faire c'est plus de 5-6 ans que, à la limite, je suis plus manga qu'animé, étant donné que, en fait, j'ai l'impression que c'est plus facile maintenant pour moi
de lire du manga que de regarder des animés, sachant que bah il y a quand même des fois ce délire de faut attendre une semaine ou faut attendre Ouais. 2 ans ou 3 ans avant la saison d'après. Donc t'as le temps vraiment de dévorer le manga plus Tu parles de facilement. Et l'attaque puis L'attaque des Tu parles de titans? l'attaque des titans. Ah bah tu vois, j'ai craqué, j'ai lu la fin, donc. non, non, il y a quelque chose avec la lecture que j'aime beaucoup, dans le sens où j'ai l'impression d'être vraiment au plus proche de l'auteur et de ce qu'il a voulu faire. Même si D'accord. les adaptations animées avec les OST et tout donnent énormément d'émotions, et que il y a quand même, bon, même s'il y a certains animés qui ont éclaté des mangas comme The Promised Neverland, mais il y a quand même de très bonnes choses dans les animés. Mais voilà, je reste persuadé que le manga reste quelque chose qu'on doit privilégier d'une certaine façon quand on est fan d'une œuvre. Je pense que lire le manga nous permettra de beaucoup mieux la comprendre, surtout que ça fait une forme de relecture ou de revisionnage, et de ça nous permet de mieux capter plein de détails. Et maintenant, je suis plus manga reader que anime, que enfin je suis en aucun cas je choisis un des deux, mais je vais plus être manga reader. Alors, Seb, je connais un peu ta réponse, mais est-ce que tu peux nous dire, toi, tes raisons qui t'ont fait choisir plus le papier et qui te repoussent plus de l'anime? Alors moi, je suis clairement plus papier, hein. Ça fait 20 ans que mon pseudo sur Internet, c'est Mangavore. Donc voilà, c'est pas Animevore. Donc voilà, j'ai, je sais pas, enfin on va dire plusieurs milliers de mangas, on va dire, pour être très vague, alors que j'ai que quelques centaines de DVD Blu-ray. Pourquoi est-ce que je suis Il y plus a pas manga mal. qu'animé d'abord? C'est déjà pas mal. Mais pourquoi j'ai plus de mangas que d'animés? Déjà parce que les mangas, je veux dire, moi quand j'ai commencé à en consommer, il n'y avait pas les plateformes de VOD sur ton mobile. Donc en fait, dans le RER, tu matais pas un DVD, tu vois, à moins d'embarquer une télé et un lecteur de DVD avec toi dans le RER. Tu vois, alors que dans ton sac, tu pouvais mettre cinq, C'est six lourd mangas, comme tu vois, qui concept. étaient tranquilles, tu vois. Donc Ouais. Puis t'as pas le moi, il y réseau avait toujours dans dans le mon métro sac. français. Non mais c'est ça. Non mais du coup moi pendant des années dans mon sac et même encore il y a toujours des mangas, et du coup quand je suis dans le RER je peux lire des mangas tranquillement. Donc il y a ça. Après il se trouve que comme tu le disais Soso, t'es plus proche de l'auteur du coup puisque t'es à la source, voilà, contrairement à l'animé. Même si l'animé peut être cool, peut transcender certains passages avec une musique, avec une mise en couleur, avec un dynamisme. Il y a des scènes de combat dans Naruto qui sont juste ma boule. Évidemment comme tous les gens de ma génération, j'ai découvert Dragon Ball avec l'animé. Évidemment que j'ai chialé lors d'un Dragon Ball Z symphonique concert à l'époque. Voilà, ça, On a chialé chialé en même tous temps, à mon devant des avis. concerts. On a tous chialé, je crois. Mais On oui. a Lou qui Mais. a mis un sondage en place, je vous coupe rapidement, qui a mis un sondage en place dans le chat. N'hésitez pas à taper le numéro de votre réponse. Vous êtes plus manga ou animé, vous êtes plus manga qu'anime, vous êtes plus anime que manga, manga only, anime only, ou autant l'un que l'autre. N'hésitez pas à nous donner votre avis. On peut continuer la discussion, Seb, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, 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 il n'y a pas de souci. Mais du coup, je trouve que le manga. Et en fait, ce que je trouve vraiment cool dans le manga, c'est que tu contrôles, en fait, complètement ton rythme de consommation, de ton rythme de lecture, en fait. Tu vois, c'est un animé, D'accord. c'est un animé. Enfin, je veux dire, à moins de jouer avec ton replay pour dire, tiens, je le regarde ce passage en 0,8, puis là, je passe en 1,2. Enfin, ça n'a pas de sens, tu vois. Alors qu'un manga, tu passes autant de temps que tu veux sur une case qui te rend ouf, tu reviens en arrière, tu vas plus vite sur les scènes où tu te dis, ah, oh, ça, je m'en fous, là, ça parle, là, je veux vraiment savoir ce qui se passe, hop. Puis tu reviens après pour dire, bon, maintenant, je vais lire, en fait, qu'est-ce qu'il raconte, tu vois. Tu as le contrôle total sur la lecture, ce qui fait que j'ai l'impression, enfin, moi, mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas deux lectures de manga au monde qui sont identiques, du coup. Complètement. Tu vois? Si je peux rajouter, la censure. La censure, Bien sûr. elle est dans les mangas. En fait, il faut regarder. Vous voyez, vu que c'est l'animé est souvent, bah, du coup, mondial, une croix bouddhiste qui va être mal interprétée, comme dans Tokyo Revengers, on la modifie dans l'animé. Alors que dans le manga, bah, ça reste les dessins de l'auteur. Et tu peux avoir des notes du traducteur pour expliquer ceci, pour expliquer cela, qui vont être plus compliquées en animé. Tu prends Berserk, tu pourras jamais faire un animé qui respectera tout ce qu'a fait Mignola dans son œuvre. C'est impossible, à part de le mettre en moins de 18. C'est impossible. Donc moi, je pense que
En manga, comme je disais, t'es le plus proche de l'auteur et l'auteur fait ce qu'il veut, surtout que maintenant, on a des catégories, par exemple, comme le Jump Plus, qui permettent plus de liberté scénaristique et qui permettent aux auteurs, aux mangaka, de faire plus de choses, mais tout en restant dans le shonen. Hein, donc, il y a de plus en plus de Chainsaw liberté. Les Chainsaw Man, Fire Punch, t'as Dadan qui est dans Oh, c'est le pas Jump vrai! C'est pas Plus. Est-ce que c'est pas vrai! vrai? Non. Non, non, mais C'est tu vois quoi? ce que En je veux plus, dire. ça me fait penser, comme on cite Dandadan, je tiens à préciser qu'on n'a aucun problème avec Dandadan. Moi, je suis fan de Dandadan aussi. Je lis la publication en anglais. C'est la première fois que je fais ça, de lire des pré-pubs en anglais sur l'application Jump Plus. Mais j'ai envie de te faire lire Tesla Noté, du coup, qui a une petite odeur, il n'y a pas tout ce qui est, y a pas tout ce qui est fantôme et extraterrestre, tout ça, mais ça, je pense que ça va te plaire. Je pense que ça Okay. va te plaire. Ouais, Ouais, on prend c'est soin un de petit te. shonen bien sympa à la Spy Family ou Yosakura Family, tu vois, un truc baston avec un petit contexte espionnage qui est assez cool. Je note. Tesla note. Mais Par pour, contre, c'est Tesla pour... note. Tesla noté ou Comme Tesla Death note? Note. Ah, Tesla maman note, comme note, Death ok. Note, tu vois. Tesla note, ok, Tesla note. Bref, je suis assez d'accord avec toi sur la censure, Soso, je reviens là-dessus. Moi, le premier cas qui m'a frappé, c'était lors du combat, lors des premiers épisodes de Naruto avec Zabuza, où tu as la scène finale qui est complètement changée à la télé et que en manga, il se passe totalement autre chose, quoi. Et même aujourd'hui, lorsqu'ils adaptent, je pense qu'ils font vraiment attention au contexte dans lequel on est. Suite à tout ce qu'il y a eu au niveau de MeToo, tout ça, il y a des choses qui sont plus possibles et que s'ils sont amenés à adapter des œuvres qui ont déjà été écrites, excusez-moi, il y a longtemps, vont forcément faire un peu de ménage. Et ce qui n'est pas plus mal. De mon côté, je vous donnais quand Ouais, même voilà. ma réponse. Je vais donner quand même ma réponse. Moi, je suis. J'ai un peu le cul entre deux chaises parce que tu as parlé des OST tout à l'heure. Moi, mon manga référence, mon manga de cœur aujourd'hui, c'est One Piece, comme beaucoup, je pense. Et je m'imagine pas que lire One Piece ou que regarder One Piece en fait, parce que tu as tout ce qui est les OST d'un côté, tu as tout ce qui est les rires, qui pour moi One Piece est le truc le plus génial de l'animé. C'est Voilà, exactement, les rires des personnages. Je peux pas m'en passer. Et je pense à tous les gens, justement, qui ne lisent que le manga, qui passent à côté de ces choses-là. Et j'ai aussi besoin, j'aime bien être dans l'un ou l'autre. Tu as des tensions que tu ne retrouves pas dans les deux domaines, en fait. Lorsque tu es devant la télé, t'as la grosse OST qui défonce et que tu as la scène d'action épique finale. C'est une chose que tu peux t'imaginer jusqu'à un certain degré en manga. Et pour encore une fois rebondir sur ce que tu as dit, de l'autre côté, tu es au plus près de ce qu'a fait l'auteur lorsque tu lis le bouquin, quoi. Tu as son trait, tu as exactement comment elle a interprété son histoire, comment elle l'a écrite, et ça, c'est quand même irremplaçable. Dans le chat, on est à 36% plus anime que manga. Ça va te faire plaisir, Seb. On est à 36% Ah, mais pour le je moment respecte, plus anime que manga. Ouais, bien sûr. On a 26% plus manga que anime. On a 15% anime only. On a 0%, non, manga only, excusez-moi. On a 0% anime only et autant l'un que l'autre. Moi, je pense qu'on est quand même sur un équilibre et c'est toujours, là, j'ai voulu faire ce moment d'émission justement parce que je voyais beaucoup ce débat-là et ça me saoulait un peu sur les réseaux, tu vois. Ça me saoulait un peu. Et pour Wow. moi, l'un et l'autre sont dépendants l'un de l'autre, sont complémentaires même, complètement. Je pense qu'ils sont Ouais, mais t'as maintenant, je toujours. pense qu'ils sont indissociables, hein, en vrai, quand ils Ouais, et puis pensent. t'as toujours, enfin t'as toujours ce genre de, t'as toujours ce genre de débat, tu vois. Quand j'étais, de toute façon, à partir du moment où t'es passionné, t'as toujours envie de débattre de ta passion, et il y a toujours des gens qui ont envie, sérieusement ou pas, de définir quelle est la forme la plus pure de ta passion. Tu vois, moi il y a eu une époque où t'as des gars qui étaient en mode, non mais les animés comme Evangelion ou Cowboy Bebop, c'est pas des vrais animés. Ce qu'il faut mater, c'est les trucs de la Nippon Animation des années 80. Ça, c'était de la vraie animation japonaise, tu vois. Des gens qui Ouais, bien disaient sûr. les mangas en VF, faut pas les lire, faut les acheter en japonais, c'est les seuls vrais mangas qui sont bien. Et aujourd'hui,
Donc, il y a les débats manga ou animé, mais il y a aussi les débats, est-ce que la génération Netflix, c'est des vrais animés fans ou est-ce que, mais non, mais bien sûr. Enfin, tu vois, c'est sûr. Il y a, toi, Soso, t'as participé à un débat, tu sais, il y a eu toute cette baston, là, sur Twitter, il y a une semaine ou 10 jours, je sais plus, au sujet de savoir le Big Free, le pas Big Free, mais on s'en fout, les gars, détendez-vous. Je suis pas dans la tu préfères. Non, non, c'est important. Non, non, c'est important. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Il y a un Big Three, il faut le respecter au bout d'un moment. Je suis pas totalement d'accord avec vous. Pour moi, tu as Naruto, Bleach et One Piece, qui pour moi, sans ces œuvres-là en anime ou en manga, le manga aujourd'hui en France notamment n'en serait pas là. Et juste pour Ouais, et pour l'industrie ça. aussi évoluer que ça. Ah oui, je suis totalement d'accord. En fait, oui, la sauce en permanence. C'est un terme qui s'est sorti il y a pas longtemps, la In the sauce. Non, non, sauce. mais en fait, quand tu dis ça, t'as des gens qui vont te dire, oui, mais sans DBZ, il n'y aurait pas ça non plus. Alors oui, le club Bien Dorothée, sûr, il y bien avait sûr. DBZ et tout. En fait, dans ce cas-là, sans Tezuka, il n'y aurait rien non plus. Enfin, genre, Bien sûr, sans je suis Nobunaga, d'accord. ils sont, Je suis enfin, d'accord. on va traiter comme ça. C'est un Je débat suis d'accord. totalement stérile. Et pour Suis revenir sur d'accord. le manga, en vrai, quand ils pensent aujourd'hui, je pense que c'est indissociable. Et pour reprendre l'exemple de One Piece, bah, même un exemple, par exemple, de trucs qui font que l'anime était hyper important et se mariait bien avec le manga, c'est par exemple le combat final Naruto Sasuke, qui en manga, bah, forcément, les combats sont beaucoup plus rapides en manga que en animation. Et l'animation Bien de sûr. les trois épisodes qui ont fait tout ce passage-là sont pour moi masterclass. Mais quand tu prends par exemple le fait d'avoir encore aujourd'hui des animés fleuves, ça reste quand même un souci pour la plupart des gens qui lisent le manga parce que le rythme est très compliqué. Il y a certains épisodes de One Piece qui ont adapté uniquement 4 pages du chapitre, c'est compliqué. Je pensais notamment à la soupe de haricots rouges. Avant, j'étais fatiguée. et c'est dommage parce que quand ils pensent maintenant, Compatible. le c'est ce qui est mis en avant, c'est quand même l'animé saisonnier, parce que ça te permet de faire une meilleure animation, d'aller droit au but, ça ne t'empêche pas de faire des OST incroyables et en plus bah, de tout donner sur l'animation. Et je pense que après la One Piece existe depuis très longtemps en animé fleuve, donc ça ne peut pas passer en saisonnier, mais je pense que maintenant les gens ont ce besoin de savoir la suite, pardon. Et je pense que par exemple pour SNK, le petit délire de dire oui c'est à son final, mais en fait non, il est parti 3. Et je pense que c'est pour dire tu veux savoir la suite? Va lire le manga parce qu'ils savent que Ouais, l'anime c'est pas mal. va marcher. Et l'industrie du manga, on ne doit pas la lâcher et c'est hyper important d'envoyer les gens lire. Et ça marche de plus en plus, des plateformes comme Manga Plus, des plateformes de lecture légale sont de plus en plus Publicité. téléchargées. Ouais. Donc je trouve ça hyper important. Et les gens veulent savoir et en manga, ils apprécient. Et ça n'empêche pas d'apprécier, même si tu connais déjà ce qui va se passer, d'apprécier ce qui va sortir en animé, justement, parce que les OST et l'animation vont te faire re-kiffer une deuxième fois, quoi. Donc je pense que Moi, c'est indissociable. je suis assez d'accord avec toi sur One Piece, le fait que ce soit un animé fleuve et que quelquefois c'est long, mais je suis pas forcément plus fan des animés saisonniers. La qualité est meilleure, mais malheureusement, tu as des trous quelquefois qui sont interminables, quoi. Par exemple, on a le cas de l'Attaque des Titans, on a Demon Slayer aussi, on va devoir attendre avant d'avoir la prochaine saison, je pense. Qu'on va devoir attendre très très longtemps. J'aime bien aussi le côté de, il y a un anime fleuve, ok. Je regarde mes 20 épisodes d'un coup de temps en temps. Je laisse courir pendant 20 épisodes, mais à la fin, j'avance quand même. Quand je rattrape, j'avance quand même. Moi, c'est ma manière de consommer ces épisodes-là, parce que pareil que toi, je pense que le pays d'Oa, ça m'a au bout d'un moment, ça m'a saoulé de ouf. Et là, avec l'engouement qu'il y a eu avec l'épisode 1015, justement, ça prouve aussi que c'est notre méthode. Une autre manière. Et aussi, le monde évolue. On est dans le foot, c'est la même chose. Ils réfléchissent à raccourcir les matchs. La manière de consommer a changé. Ils veulent raccourcir les matchs avec demi-temps de 35 minutes, je crois, des trucs comme ça. Donc, ils s'adaptent aussi aux consommateurs qui sont de plus en plus jeunes et qui, eux, sont sur leur téléphone et veulent aller vite, comme TikTok, on en a déjà parlé. Mais moi, j'aime bien mon petit anime fleuve. J'aime bien, je suis peut-être un peu nostalgique, mais j'aime bien avoir mon petit anime fleuve de côté. Oui, le petit Et toi, Seb? adébassé, c'est un des derniers qui reste en place. Hein. Il est là, Bien sûr, il lâche rien. ouais. Bon.
Tu vois, One Punch Man, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de saison de One Punch Man? Je suis fatiguée, hein, l'attente. Hein. On commence à oublier, on commence à oublier même. On commence à oublier. C'est pas Je pourrais faux. répondre juste vite fait une question. Il y a Xentos qui dit, pour vous, le meilleur manga sur Manga Plus? Vous doutez, je vais dire quoi, quoi? Non, 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 c'est une question piège, ça. Sur Manga Plus, c'est One Piece. J'ai Bah, vu la j'avoue. question, c'était comme ça. Ouais, j'ai dit, celle-là, on peut pas la laisser passer. On va pouvoir continuer l'émission après cette petite parenthèse sur le anime only ou manga only. Moi, je ne peux que vous conseiller de consommer les deux, de vous faire plaisir dans les deux sens. Ils sont complémentaires l'un de l'autre. Et on va pouvoir continuer l'émission en menant une petite interview de toi, Mademoiselle Soso. Tu es actuellement. On va commencer par le début. Comment t'es arrivé dans ce petit monde du manga game? On va commencer par ton premier coup de foudre au manga. Lequel ça a été? Et à quel âge? Dans quel contexte? Quand tu dis manga, ça implique les animés ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, d'accord. Okay. Alors, moi j'ai commencé petite. Je pense que mon premier, vraiment ce qui m'a scotché à la télé, c'était Albator et Cat's Eyes. J'étais Et les gens te colombe connaissent dans le devant. chat, hein. C'est vrai qu'Albator, j'étais en mode, ouais, il est trop beau, j'aime trop. Voilà, je vais avoir quoi? Je vais avoir 50, tu sais. J'en pouvais plus. Cat's Eyes, Cat's Eyes, ma mère, j'en pouvais plus. Et puis après, il y a eu, évidemment, après que notre chère Ségolène Royal ait essayé de nous évincer nos animés, il y a le Merde. retour enfin de Pokémon. Mais c'est vrai que Pokémon, bon, comme toutes les personnes de ma génération, ou même entre deux, on a surkiffé. Moi, le premier épisode qui est passé sur TF1 le matin, j'en peux plus, hein, vraiment, je me suis dit, oh mon Dieu. Mais mon premier véritable coup de foudre à cette époque-là, c'était Sakura Card Captor. Ouais, c'est J'ai incroyable. jamais autant été en sang Oui. devant MC. Ma mère regardait les infos le midi. Il y avait Evelyne Delia qui mettait à mes taux. Je dis, écoute-moi bien, maman. Là, à 13h45, on zappe, s'il te plaît. Je donne pas d'ordre à ma mère, mais là, ça courait quand même. En plus, elle entendait nanana, avec la voix stridente de Sakura en français, c'était. Mais ouais, alors faut savoir que j'ai tous les coffrets à la maison, j'ai tous les mangas, j'en pouvais plus. Et après, petit à petit, bah, comme je vous ai dit, moi, la licence du manga, je ne l'avais pas, parce qu'à l'école, on t'en parle pas. Mes copains-copines, personne, à part mon meilleur ami qui joue aux jeux vidéo et qui regardait les animés avec moi. C'est justement lui, une fois, quand j'étais en cinquième, je suis allée chez lui, il avait Love Hina. Et j'étais en mode, oh, c'est quoi? Oh, c'est trop marrant, c'est un manga, et ça se lit. J'étais complètement perdue, parce que moi qui vis dans la petite campagne à côté de Nantes, voilà quoi. Et c'est arrivé au lycée que j'ai acheté mon premier one shot, c'était un shoujo, et j'ai commencé à regarder. Il y a eu des Helsing, des Cowboy Bebop, même avant, en quatrième, il y avait GTO qui passait sur Canal Plus, je crois. Il y avait les bruits de couloir de Death Note qui arrivaient sur D17, j'ai plus, c'était quelle chaîne? C'est Et il y avait 17, plein d'autres non? choses comme ça. C'est 17 à l'époque. Ah, c'est D17, un truc comme ça. Le C'est 17, très loin pour ouais. moi. Je regardais tout seul chez moi des Sengoku Basara, des trucs comme ça. Et c'était vraiment des bruits de couloir. Et à l'époque, je partageais ça quasiment avec personne à part deux potes, quoi. Et du coup, je pensais pas du tout. Enfin, moi, je voyais des mecs qui commençaient à aller sur YouTube après. Je regardais plus d'humour qu'autre chose. Et je pensais pas du tout. La moi de l'époque, à 20 ans, on s'imagine pas du tout sur YouTube en train de parler manga. Pas du tout. Ne s'imaginait pas du tout sur YouTube tout court. Et Bien sûr. j'ai pris une autre voie. À la base, je voulais travailler dans la mode, dans la mode luxe et tout. Donc, il y a encore fin 2019, je travaille chez Balenciaga. J'ai fait un burn-out, j'ai démissionné. Il y a eu le Covid. Et je voulais me lancer sur YouTube à ce moment-là en faisant des vlogs avant le Covid. Hein. Je m'étais dit que j'allais, après ma démission, faire l'intérim, voyager au Japon, partager ma passion et mélanger un peu le manga et la culture asiatique et tout ça. Bon, finalement, je me suis pris une grande balayette par le Covid. Je suis restée chez moi. On est un peu pareil, ouais. Donc, tous mes projets sont tombés à l'eau. Et finalement, ça s'est goupillé de façon à ce que j'arrive petit à petit sur YouTube et on m'a dit, mais fais du manga. Enfin, genre.
fais ce que t'aimes, quoi. Et ma première vidéo, c'était six animés à conseiller à quelqu'un qui n'en a jamais vu. Et ça a commencé comme ça. Et juste après, il y a eu la sortie des SNK et on m'a dit pourquoi tu ferais pas des réactions, ça marche bien et tout, ça pourrait être cool, t'as une bonne énergie, nana. Et ça a commencé très vite. J'ai un mois après, j'ai ouvert mon Discord, j'ai commencé à faire du Twitch, j'ai repris TikTok un peu plus tard. Et ouais, ça a commencé comme ça. Et il y a des gens ici qui sont là aujourd'hui, qui sont là depuis le début. Je pense à Shikamaru ou même Luméo, bon, ami, c'est Wolfram, qui sont là depuis vraiment les tout débuts et qui m'ont vu évoluer petit à petit. Et c'est pas forcément un métier facile, mais on va pas se plaindre parce qu'on vit notre passion et que c'est un milieu qui est pas facile, mais surtout quand t'es une fille, c'est pas easy tous les jours dans Un ce peu ma question milieu. d'après, c'était comment tu ressens justement, c'était un peu comment tu ressens le fait d'être une fille, comme tu l'as dit tout de suite, dans ce milieu-là, où comme beaucoup de milieux malheureusement, est beaucoup, beaucoup dominé entre guillemets par des hommes dans l'industrie, bien sûr, je te parle vraiment dans l'industrie, où tu as affaire à des hommes tout le temps, et que pour beaucoup, à une certaine époque, le manga, c'était un truc de mec, comme le foot, etc. Comment tu as appréhendé ce truc-là? Comment tu t'en es sorti et comment tu mets un doigt d'honneur à ça? J'ai mis même un gros wad. Moi, je suis arrivée dedans comme dans un saloon, hein. Vraiment, je me suis dit, je sais que je vais arriver dans un milieu où il y a quasiment que des mecs. On me l'a dit, hein, de base, même une pote à moi qui est pas du tout dans ce milieu, elle avait un peu checké sur YouTube, elle a dit, mais il y a pas de meuf, quoi. Il y a pas de meuf dans ton milieu, il y en a très très peu, il y en a quasiment pas. Et le peu qu'il y avait, je pense surtout à TikTok où c'est quand même une plateforme relativement plus facile pour se lancer parce que le montage, bah, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, genre, tu peux faire ce que tu veux. YouTube, ça reste quand même très qualitatif. Faut faire du montage, c'est beaucoup Plus d'investissement. millimétré, quoi. Ouais, c'est compliqué YouTube, sachant qu'en plus j'ai pas commencé par le plus simple, j'ai commencé par YouTube. Donc je suis arrivée dans un milieu où il y avait déjà bah, des chefs otaku, des ermites modernes, des Moncorvo déjà en place. Et la seule meuf dont on m'avait parlé, finalement, on ne la voyait pas, elle donnait que sa voix et elle parlait de One Piece. Donc j'étais en mode ok, donc une des rares meufs, en fait, finalement, elle ne se montre pas. Et finalement, quand tu regardes même dans le milieu du manga au Japon, même une mangaka change un peu son nom pour ne pas qu'on sache que c'est une femme pour présenter du shonen. Je suis, on est vraiment dans un milieu très très finalement Très un peu masculin. miso, finalement. C'est très Ah oui, mais complètement, les hein. femmes et le shoujo, et laisse les vrais sujets aux hommes, tu ne maîtriseras pas. J'en ai eu des réflexions très très déplacées dès le départ, Ah oui, carrément. parce que ouais, j'ai eu bah de toute façon, je suis en train de préparer une vidéo, elle sortira pas tout de suite, mais sur la place de la femme dans ce milieu manga pop culture geek, parce que finalement quand tu regroupes ce milieu-là avec les jeux vidéo et le manga, c'est un milieu très très masculin. Quand tu prends même tu prends les stats qui sont sortis de Twitch, ceux qui gagnent le plus et les plus connus sont des hommes. Dans ce top 50, il doit y avoir trois filles et la moitié sont à moitié dénudées. Donc il n'y en a qu'une seule C'est qui un peu le reflet, c'est un peu le reflet aussi de la société. C'est aussi le cas dans la société en général. Ah mais oui, bah Et en ceux fait qui le gagnent le problème plus c'est sont. que oui, ceux qui gagnent le plus, même sur YouTube actuellement, sans parler manga forcément, ceux qui gagnent le plus sont des hommes, et finalement les filles qui vont ressortir comme Lena Situation sont dans des milieux, bah elles font du vlog, il y a beaucoup de mode, donc ça va être un milieu, on va dire, de filles, donc ou le make-up. On m'a déjà dit, hein, retourne faire du make-up, c'est mieux. On m'a déjà dit, retourne à la cuisine, hein. Et c'est Non, c'est avant chaud. qu'il y ait le Non, la c'est chaud. cuisine qui sort. Donc, mais après, moi, je me dis, finalement, c'est bien de mettre un coup de pied au cul dans ce, dans, enfin, un coup de pied à la La fourmilière, fourmilière. pour. Parce que finalement, en fait, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui sont très contents de ça, qui trouvent que c'est peut-être entre guillemets un vent de fraîcheur. Fraîcheur. Il y a une nouvelle approche. Et moi, mon but, c'est pas juste de dire, je suis une meuf sur les réseaux. Alors, je suis peut-être un peu utopique et je regarde trop de shonen, mais je suis peut-être dans ce délire. Finalement, on s'en tape que ce soit un homme ou une femme. On est plus des êtres humains et c'est notre personnalité qu'on doit mettre en avant. Moi, je soutiens des personnes sur Twitch comme Trivia, comme Magla, qui arrivent et qui défoncent tout et qui montrent leurs skills. Et c'est vrai que la société a tendance à mettre plus en avant des femmes qui ont réussi grâce, malheureusement, grâce, enfin, malheureusement, à ce qu'elles veulent, bien évidemment, grâce à leur corps, et c'est vrai qu'on en parle plus facilement, ou alors on va parler des femmes comme des hystériques féministes, machin, mais des filles, bah, on est plein à être en mode good vibes, on peut parler de n'importe quel sujet, mais on n'en parle pas, malheureusement, donc mon but, c'est vraiment d'essayer de démocratiser ça sur YouTube Démocratiser. et
et de montrer que bah, je suis une fille dans un milieu de manga, mais je suis surtout une personnalité avant d'être une femme, une personnalité qui peut parler de sujets que avant tu regardais chez des hommes, et ça peut, je suis pas là pour me montrer, mais plus pour montrer ma personnalité, et voilà, et je pense que ça peut lancer, Et tes connaissances, entre guillemets. aussi. Oui, Tes voilà, mes connaissances et ton connaissances. expertise dans le milieu de manga, ouais. Ouais, je pense que c'est important de mettre ça en avant, et ça peut aussi aider d'autres filles à se lancer et à affronter aussi, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit je n'ose pas parce que je vois les commentaires et ça me fait super peur. Alors je tiens à le préciser, hein, s'il y en a qui regardent, il faut avoir le cœur bien accroché, hein, parce que le début est très compliqué. On va te mettre des balayettes plus facilement. Quand on est une femme, faut se dire que quand tu es dans ce milieu, tu pars avec une crédibilité négative. Dis-toi ça, que tu pars avec une crédibilité négative, parce qu'on va te sortir, bah, si tu réussis, c'est parce que tu es une meuf. Alors, il y a y réussir et réussir. C'est bien de réussir, c'est bien d'avoir des vues, mais après, de gagner en crédibilité, d'être demandé pour venir sur des plateaux, de se dire que elle va peut-être réussir à tenir une conversation sur un sujet, c'est une autre histoire. Donc, il y a réussir et réussir, et je pense qu'on décrédibilise trop le fait que. Bah si, une fille, Magla, est jolie, c'est une jolie femme, mais avant tout, on la suit sur Twitch parce que bah, peut-être que bah, oui, elle est jolie, c'est cool, on aime bien allier l'utile à l'agréable. Quand je regarde une série qui est un beau gosse, bah, ça m'arrange, quoi. Mais au-delà de ça, si la story est cool, si Magla, ce qu'elle fait, elle est cool et que j'aime bien l'écouter, bah c'est ça qui importe, et finalement, c'est un peu mauvaise langue. Donc je pense qu'il faut Alors, sortir un peu de quoi. on va continuer dans le même sens que ça. Tout de suite, tu as dit tout à l'heure, tu as dit que c'était une profession difficile lorsqu'on se lance dedans. Qu'en ont pensé ton entourage, tes proches, etc. Parce que on a bien sûr, lorsqu'on est dans ce milieu, pas des petites réflexions, mais des gens qui sont pas forcément au courant de ce que c'est et ne voient pas ça forcément comme un métier et tout ce qui est nouveaux médias, que ce soit du YouTube, que ce soit du Twitch, que ce soit du TikTok. Comment ton entourage a vécu la chose? Est-ce qu'ils t'ont encouragé directement ou est-ce qu'ils t'ont mis quelques petites mises en garde? Pour ce qui est de ma mère, ma mère c'est ma meilleure pop-up girl, donc je vous avoue, Ah elle était grave derrière moi. Je pense à Luméo qui est dans le chat, qui est ma meilleure amie, qui est ma première fan depuis le départ, qui me soutient depuis le départ numéro. et qui m'a toujours. Après, je parle d'elle parce que c'est vrai que ça fait plus de 10 ans qu'on est amis, et vu que j'ai pas de. Je suis fille unique à la base. Je comptais un peu sur la vie aussi de mes amis proches, parce que il y en a certains qui étaient, bah, la plupart de mes amis proches étaient en mode, mais let's go, je te vois tellement là-dedans, c'est génial. Après, pour ce qui est de ma famille, bah, ils étaient en mode, ah ouais, c'est marrant. Bah, alors mon oncle du sud avec son bon accent, il m'a dit, mais je comprends pas, il y a des gens qui te payent, fait qui payent pour te regarder, c'est marrant ça. Je vais me filmer et on va attendre là. C'est marrant quand même. Si j'avais su, j'aurais fait ça depuis le départ. Ils sont un peu perdus par ce milieu-là, mais finalement ils me regardent, ils me lâchent like. Ah, je suis trop content pour toi. Après, ça a été plus bah, mon ex-copain, que après je suis plus avec lui depuis novembre, mais il a été là à mes débuts, et certaines personnes se disaient, j'ai eu des réflexions en mode, mais tu vas faire quoi à côté? Bah, Exactement ça, oui. comment ça à côté? Bah ça, tu te rends compte que c'est pas juste 35 heures, ça, c'est un travail à plein temps. C'est-à-dire que moi, je prends l'avion pour aller au Japon, je vais pas être en détente constamment. Je vais être avec une caméra constamment, et tous les soirs, je vais taffer sur un petit montage. Donc en fait, les vacances, c'est un peu fini, entre guillemets. C'est sûr que, en fait, pour la plupart des gens, se dire que je me lève pas forcément à 6 heures du matin et je prends pas le métro pour aller travailler, bah, c'est pas un vrai taf. Je travaille chez moi, je lis mon manga, c'est pas possible que ce soit un vrai travail. En fait, les gens se disent, ne se rendent pas compte que transformer votre passion en travail, c'est très risqué. C'est très très risqué, parce que vous pouvez arriver à un point où votre passion vous dégoûte, si vous n'arrivez pas à gérer ça. Entre guillemets, vous dégoûte, je ne serai jamais d'écouter du manga, mais quand vous recevez des mangas, les gens ils se disent, waouh, ouais, tu reçois des mangas, mais c'est trop bien. Oui, mais je vais devoir les lire. Il faut les Et je lire, vais devoir, faut les lire, bien pour les sûr. lire. Des applications, faut faire des vidéos, faut faire des stories, faut unboxer, faut donner son avis, faut faire de la pub. C'est C'est trop un tard. échange équivalent, tu vois. Ouais. C'est un full Il y a métal, tu le vois. quoi. Donc, Bon, on en parlait un peu tout à l'heure en off. Il y a aussi tout le côté community management que tu dois faire derrière. Tout ce qui est gestion de réseaux sociaux, gestion du Discord, gestion du Twitch, gestion du YouTube.
écrire les vidéos, poster les vidéos, répondre aux commentaires, etc., etc. C'est vraiment Meilleur. un taf. Exactement, c'est vraiment un taf à plein temps. Une petite question, on va encore retourner faire un petit bond dans le temps, moi qui déteste les voyages temporels. Comment tu te vois dans 5 ans dans ce milieu? Comment tu te vois? Comment tu te projettes? Mon objectif, Ouais, mon ton objectif, lafetel, c'est le mot que je cherchais. Voilà, mon exactement, lafetel. ton objectif. Voilà, Derrière. exactement. Alors, je vais parler en toute sincérité, étant donné que je vais avoir 31 ans, que dans 5 ans, du coup, j'en aurai 36, j'ai beaucoup d'attentes, parce que malheureusement, je suis une meuf et le temps passe. Alors, je ne veux pas parler de l'horloge biologique et tout le tralala, mais n'empêche que ça, je me dis, tu vois, avant 40 ans, déjà, en général, on se dit avant 30 ans, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois? Et, étant donné que je me suis lancée assez tard là-dedans, que je suis quand même entourée de beaucoup de jeunes, hein, il y en a qui ont 20 ans, qui ont le million. Je suis entourée de beaucoup de personnes qui ont percé et qui ont à peine 22 ans, 23 ans. Je me dis à 30 ans, mais c'est tranquille. Après, tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Hein, ça, on est à l'abri de rien. Mais moi, dans 5 ans, en fait, c'est vrai que le manga restera toujours ma passion, ma base. Et c'est pour. Mais je veux élargir le truc parce que vu que le manga se démocratise, j'ose espérer qu'un jour il y aura des chroniques sur les chaînes peut-être principales ou sur des plus grosses chaînes classiques de manga. Peut-être que je serai animatrice là-dessus. Peut-être que j'aurai ma propre émission. On ne sait pas. Étant donné que je pars sur l'animation, sur le fait d'être animatrice depuis quelque temps avec Kurokawa. J'aimerais être dans 5 ans plus qu'une personnalité manga, être entre guillemets une personnalité publique, quelqu'un à part entière qui a ouvert entre guillemets la voie du manga de manière féminine, on va dire ça comme ça parce Yes. que j'aimerais être la number one finalement sur YouTube en termes de manga et en termes de pop culture finalement parce que je joue aux jeux vidéo aussi sur Twitch. Je suis Yes. amenée une fois qu'ils ont ouvert les frontières, j'aimerais bien que ça s'active un petit peu, faire du vlog au Japon, faire être une personnalité finalement dans cet univers-là qui est quand même très vaste de la pop culture asiatique. J'aimerais être quelqu'un d'influente dans ce milieu-là et être appelée un peu partout, quoi. Genre, voilà. Je pense que j'aimerais être En tout quelqu'un d'important. cas, c'est bien parti pour le milieu du manga dans un premier temps. On te souhaite de réussir dans le milieu de la pop culture en général. L'une des meilleures manières de connaître quelqu'un lorsqu'on est dans ce milieu du manga, justement, à mes yeux, c'est de faire un portrait chinois. J'adore faire des portraits chinois. Ça me l'a vu arriver. Ça te Je l'ai vu démangeait, hein. arriver à. Ah, ça me démange depuis au moins 3-4 émissions. Parce que on est des passionnés. Et selon tes réponses, eh ben, je vais pouvoir te mettre dans une case ou une autre, tu vois. Et moi, je suis un mec J'aime pas totalement con de ce côté-là. Alors, ça va être ça. Je vais te poser une question. Je vais te demander si tu étais un oiseau. Tu me dis, je suis tel oiseau. Et t'oublie pas surtout de me dire pourquoi tu as choisi cet oiseau-là. On y va? Let's go, j'adore Alors, ça. Ah, si tu étais un perso principal de manga, lequel serais-tu? Waouh, attends, 2 secondes. Tu pouvais pas m'envoyer une fiche Attends, 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 attends. On parle pas de Dan Dan avant? Dan. Je ne suis pas sûr de comprendre. Ah, il y a Je Siri qui croit que je sais. lui parle. On Je Dan suis Dan, pas sûr on de en parle après. comprendre. Non, non, je dirais Alors. pas de nanana, c'est pas assez avancé pour ça. Je Yes. ne peux pas encore. Let's go. J'ai pas révisé, oui, Luméo, je n'ai pas révisé. C'est très compliqué. Attends, 2 secondes, je me tourne vers ma mangathèque, vite fait. Je prends un peu Let's d'inspi. go. Seb, Principal, tu alors. peux participer aussi. Hein. Seb, tu peux nous répondre aussi. Pas de souci. Si j'étais un On va commencer personnage par Seb. de principal. Ouais, Vas-y, de Seb. manga. Auquel tu t'identifies, tu dis, ah moi j'aurais fait comme lui. Je serais ce mec-là, moi. Bah, je serais Yota. Yota, Je pas serais mal. Yota de Video Girl. C'est pas Je mal. serais si c'est personnage principal, genre le personnage principal, c'est Yota. Et sinon, si c'est genre dans les personnages principaux, Pop. D'accord. Moi, dans les personnages principaux, je pense que je serais Takamura de Hippo. Ok. Ah ouais, carrément, quoi. Ça va, tu te la racontes. J'aime bien son côté. Je fais le guignol tout le temps, mais je suis un ultra crack. Et je suis un ultra crack, et quand Ok. faut se concentrer, je me concentre. Tu vois.
Soso sans pression, hein. C'est pas éliminatoire du tout, hein. C'est très, Sacré très boomerang, dur. C'est je ne vais très. pas vraiment te juger, je te rassure là-dessus, mais sans pression. En fait, il y a un perso auquel je m'identifie, mais c'est pas un personnage principal. Donc, si après dans tes questions, il y a quel perso féminin tu t'identifies, je veux bien répondre après, sinon. Non, ça y est pas, puisque j'englobe vraiment masculin et féminin pour le coup. Alors, je vais tricher. En perso féminin, c'est Tsunade, mais le problème c'est que c'est pas un perso principal. Banque, c'est pas grave. Tu sais quoi, ça répond déjà à la troisième question que j'avais, c'est si tu étais un personnage, un maître, un espèce de sensei dans le manga, je pense que tu peux rentrer plus ou moins Tsunade dedans. Ah, Un sensei ou un personnage secondaire. Ah bah non, J'aurais dû t'envoyer ah bah non, les... J'aurais dû tu sais, t'envoyer c'est les questions. Onizuka Onizuka direct, oh. ouais. Ouais, bien Ah tiens. bah ouais, j'aime bien parce qu'il en a rien à foutre, il est comme moi. Mais Exactement. non, sinon, perso principal auquel je suis très attachée et je... Guts, bien évidemment. En fait, Yes, j'aime son ok. côté sombre et son côté très touchant. Finalement, c'est quelqu'un d'entier que j'aime beaucoup. Il me fait de la peine. Vraiment, quand je le vois, j'ai envie de pleurer. J'avoue. et il a ce côté, je dis rien, même quand on a mal. Et du coup, je m'identifie un peu à lui. Alors, c'est très profond ce que je dis, mais en fait, c'est des persos. Quand tu prends Tsunade, Itachi, Guts, ou même Ouais. Eren. Eren, c'est vrai que Ouais. oui, en perso principal, Eren, c'est des gens qui ont la haine, qui ont la hargne, hein, qui le montrent, mais leur souffrance, là, ils la gardent pour eux et ils voient au-delà de autour d'eux. C'est des gens qui voient plus loin et qui sont prêts à des sacrifices et qui traversent beaucoup de choses et qui sont très forts mentalement, je trouve. Donc, ouais, je partirais Eren et les sur. garçons, on a Monsieur Graou Oui! qui est très fort avec Eren et les garçons, il me fait rigoler, c'est pas mal. Tu sais que dans cette émission, enfin, devant moi, il y a deux personnages qu'il faut pas citer, qui m'énervent un peu. Il y a Eren dedans et Sasuke. Pour les mêmes raisons, les deux, ils sont bien écrits, plus ou moins bien écrits, et du coup, leur réaction à chaque fois m'énerve. Tu vois, ce que tu viens de dire sur Eren, j'ai dit énerve, lapsus, sur Eren est totalement vrai. C'est qu'ils voient très loin, mais malheureusement, ce sont pas des décisions que j'aurais pris moi et que malheureusement j'aurais choisi le court terme à mon avis. Bref, on continue. Petite parenthèse, on continue le portrait chinois. Le portrait chinois. Si tu étais, c'est un peu plus dur. Si tu étais un seinen, lequel serais-tu? Si j'étais un seinen, deux Yes. secondes. Sébastien, allez hop! Ah, c'est dur, hein. Si j'étais un seinen, Un seinen. donc si j'étais un Shonen, c'est trop manga, pas un facile. personnage. Ouais, Berserk. un manga. Berserk. Pour quelle raison? Parce que il ressort ce côté de moi très très sombre. Alors c'est très bizarre ce que je vais Ouais. dire, mais Ah, tu il commences y à me faire a une peur. part très très glauque, très sombre et pourtant assez réaliste dans les émotions humaines qui reflète en moi en fait cette fatalité des émotions humaines. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais Berserk, quand tu le lis, c'est fatalement réaliste sur certaines émotions. C'est pas utopique du tout. Et j'ai une part de moi qui aime bien l'utopie, qui aime à penser que le monde peut s'améliorer. Il y a une autre part qui est très très fataliste et un peu dépressive. Et c'est Berserk qui l'image le mieux en fait. Voilà. D'accord. Toi, Seb. Là. Pardon. Eh ben, Il je a fait serais le tour Maison de Ikoku. Maison Ikkoku? Ah, Je serais Maison t'es un Ikoku grand fan. parce que sous un aspect très comique et voire guignol, en fait, je cache une âme très sensible. Et en même temps complexe qui reflète toute la dramaturgie de la société moderne. Voilà. C'était beau. D'accord. Ouais, c'était bien écrit. C'était bien écrit, monsieur Seb. C'est pas mal. Un peu plus facile, un peu plus cool. Si tu étais un personnage badass, quel serais-tu?
Tu n'as pas le droit de réutiliser les réponses que tu as déjà données, bien sûr. Ah! Et quelle serait-il? Un personnage badass. Ah, attends, du coup, la Yes. première question, j'ai parlé de Eren Guts, tout ça. Ouais. En Sensei, j'avais dit Onizuka. On est d'accord? Ouais. Yes. Ok. Un Onu, personnage pas Onizuka. badass. Bah, du coup, là, ben bah non, là, du coup, je peux placer Tsunade. Yes. Ouais. Tsunade, elle est badass. Bien sûr qu'elle est badass, Tsunade. Elle arrive. C'est Bah oui. elle qui a le plus Bah brillé oui. face au combat contre Madara des 5 Kage. Elle est arrivée. Elle a dit oui, je suis la petite fille de Hashirama. Oui, j'ai l'air éclatée. Et la meuf, elle est arrivée. Elle a éclaté son Susanoo avec un coup de poing. Elle a attrapé les deux anciens que Hiruzen était comme ça. Il les écoutait. Et là, elle les attrapait par le callback. Elle a dit je vais faire ce que je veux. J'ai rien à Ouais, foutre. ouais. Ouais, j'avais oublié ça. C'est validé, c'est Allez, elle validé. est, elle, elle est, pour moi, c'est Nokagi qui envoyait du Bah ouais, steak. Moi, j'ai. même lors de l'attaque de Pain sur le village, si Ouais, Tsunade elle est pas là, tout le monde est mort. même, elle est venue ok, 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 devant ok. la foule. Nokagi lui a dit non, va sauver les villageois, c'est à moi de le faire. Mais elle était en mode, ouais, j'y vais, let's go. Personne n'est venu, hein, sauf Tsunade. Et après, il l'attaque, bien évidemment. Tsunade, je la trouve extrêmement Ouais. badass. C'est quand même, on a tendance à minimiser le rôle et l'importance des médecins dans l'univers Dans Naruto. Shinobi, enfin dans l'univers de la guerre. Mais ma meilleure amie, par exemple, est au gradé de l'armée de terre. Du coup, on en avait parlé. Et elle m'a dit, mais tu te rends pas compte à quel point les médecins, ça doit être eux qui doivent rester en vie le plus longtemps. C'est eux qui sont en retrait, mais dans cette histoire, en fait, Tsunade, elle a la phobie du sang et elle y va quand même. Elle a perdu énormément de monde, mais elle continue quand même à y aller. Et je trouve ça très fort en termes de Ouais, c'est mental chaud. hein, Bien qu'elle écrit. continue à Bien rester écrit, là. ouais. Et toi, Seb? Je suis Oh, désolé, t'as il y un a des personnage trucs badass. qui se battent dans ma chambre, dans mon bureau, donc du coup, j'ai pas entendu la question. C'était quoi? C'est dur. Si tu étais un personnage badass. Un personnage Un personnage badass. quoi? Badass, ah oui, si. Badass. Ouais. Si j'étais un personnage badass. Et à part moi, qui tu vois? Bah, si j'étais un personnage badass, je pense que je serais Ryo Saeba, en fait. Parce Ouais, que incroyable. je serais obligé de faire le guignol régulièrement pour cacher mon côté badass. Ouais, tellement je suis trop fort, je fais le guignol. Ok, c'est validé, c'est validé. Et une petite dernière question qui va être un peu plus technique. Si tu étais, j'ai pas envie de la tourner comme ça là. Non, je vais la tourner comme ça. Si tu étais un mangaka, lequel serais-tu? Oh. Donne-nous tu peux nous donner aussi ta ref ultime. S'il ne devait rester qu'un seul mangaka, lequel le souhaiterais-tu qui reste? On souhaite de mal à personne, bien sûr. Ah non, mais tu peux pas me dire s'il devait en rester qu'un. Ah non, c'est pas possible. Ah Non, mais non. peut-être effectivement un mangaka, tu vois, qui t'inspire par son Voilà, bien sûr, parcours, comme ça c'est mieux pour tu nous. vois, je sais pas. Par exemple, moi je sais effectivement, là pour le coup, je sais qui répondre là. Vas-y, Dis-moi, vas-y, Seb. c'est. Vas-y. Bah moi, clairement, effectivement, si j'étais un mangaka, celui qui m'inspire le plus, c'est Takehiko Inoue, parce que Ouais. c'est un mec qui est une force de travail et de progression qui est incroyable. C'est-à-dire que tu prends Slam Dunk 1, tu dis, ah ouais, c'est plutôt bien dessiné. Au Slam Dunk 30, 31 ou 33, là, je sais plus la longueur de la série, tu dis, ah mais non, en fait, il savait pas dessiner au début. Puis tu ouvres un Vagabond 1, tu fais, ah non, mais il savait pas dessiner avant. Et tu prends le Vagabond Bien sûr. 36, et tu dis, putain, mais quand t'arrêtes, tu continues à progresser, gars. C'est un truc de malade, c'est incroyable. Et j'espère continuer à m'améliorer aussi, moi, dans la vie, dans tous les Tu fais. domaines dans lesquels je suis. Et franchement, c'est impressionnant, en fait, ce type. C'est vraiment quelqu'un qui cherche toujours à progresser, même s'il pourrait se dire, ok, je suis installé, je suis un peu le Messi, je marche sur le terrain. Eh ben lui est vraiment à la recherche du challenge. Même on a parlé dans une précédente émission Ouais. où il cherchait encore une autre manière de parfaire son art. Il passait au numérique actuellement, il dessinait soit au numérique, soit il allait sur des grands grands formats, toujours en tradi. Et je comprends ta réponse. Moi, je vais faire simple, je dirais Toriyama, parce que c'est quelqu'un qui a fait rêver pas mal de gens, Je Akira comprends. Toriyama. Et on en parlait tout à l'heure en off avant l'émission. Lorsque j'ouvre, malgré tout ce qu'on lit actuellement, lorsque j'ouvre Dragon Ball, ça a l'air incroyablement simple. Et c'est le don qu'il a justement dans tout ce qui est découpage, etc.
qui est inclassable pour moi. En fait, c'est le simple et efficace, quoi. Mais en fait, c'est pas toujours Bien le plus sûr. facile à faire. Bien sûr. Bon. Il faut y aller, là, des choses. Il va falloir y aller. Je vais quand même Merci. dire, parce que ça reste mes mangas préférés, vous savez, c'est Berserk, Naruto. Je vais quand même rester sur Kishimoto, même si c'est très dur de ne pas prendre Miura. Miura est un exemple même d'un génie en termes de mangaka, que ce soit au niveau d'histoire et dessin. Mais Kishimoto, en fait, il a ramené pour moi dans le shonen Neketsu une forme complexe de psychologie et d'émotion dans un milieu qui était pourtant très baston et enfin dans le milieu classique du shonen Neketsu, surtout fin 90, début 2000. Il a amené quelque chose de nouveau dans le Big Three, je trouve, enfin parmi le Big Three en termes de même en termes d'antagoniste. Finalement, on n'est plus sur le méchant qui est méchant pour être méchant. Au contraire, lui, il a vraiment Bien développé sûr. dès les premiers tomes avec Zabuza. Il a ramené quelqu'un d'humain. En fait, il a ramené énormément d'humains. Et c'est pour ça que je pense que si il a touché autant de femmes avec son œuvre, il a ramené un public féminin parce que ne serait-ce que son trait, moi, j'aime énormément Expliquer les son choses. caractère. Bien sûr. Il exprime énormément de choses. Il y a de l'émotion dès les premières pages. En fait, il y a un affect qui est ouf. Et je trouve que il a une vision quand même de l'humain qui peut ne pas plaire, qui te met même, tu vois, quand je prends des personnages comme Sasuke, ça énerve. Ça énerve parce que il provoque en toi ce que tu détestes chez l'humain. Et pourtant, tu peux avoir des potes comme ça que tu as envie de secouer parce que tu sais que ça peut arriver. Il y a des psychologies comme ça qui sont énervantes, qui sont des fois incompréhensibles et qui existent quand même. Et lui, il l'a ramené, que ce soit des personnages féminin ou masculin, il a ramené, ça a été un pari risqué parce qu'il y en a qui se sont dit, mais c'est qui celui-là, il m'énerve, oh, il me saoule, mais il a ramené quand même beaucoup d'humains et peut-être pas tant que ça d'utopie parce que Naruto a un côté utopique, mais c'est quand même un des personnages principaux qui a le plus vrillé, qui a eu le plus de haut et de bas De et haut et qu'on de a vu bas. à deux doigts de vraiment de flancher beaucoup, beaucoup de fois. Je pense à une scène Kishimoto, le fait qu'il ait mis, enfin même le studio Pierrot, hein, quand tu penses l'œuvre Naruto sans Kishimoto, il n'y aurait pas, mais quand tu penses, tu revois la scène où Naruto a une crise, il se met à avoir du mal à respirer après avoir entendu que Sakura était partie pour tuer Sasuke, je le vois par terre en train de... Alors que c'est un héros de shonen qui peut taper des gens, qui a un Kyuubi, le gars, il se met à avoir une crise d'angoisse. Je trouve ça D'angoisse, extrêmement humain bien sûr. et ouf d'amener ce Ah, c'est genre de ouf. truc-là. C'est ouf. Ah, c'est Jusqu'au bout, je trouve qu'il est incroyable en Et termes de t'as story. toujours, avec Naruto ce petit côté, est-ce que je vais me compromettre ou pas? Est-ce que je vais passer dans Oui. le côté obscur ou pas? Là où beaucoup auraient craqué. Et c'est vrai qu'à un moment, c'est un petit côté énervant, tu dis ok, il est toujours gentil, mais c'est vrai qu'au moment de Pain, tu te dis ah, là, quand tu vois, je crois que c'est à ce moment-là où il arrache justement le talisman de la cage du Kyuubi, et en vérité, il a craqué à ce moment-là, il a clairement craqué à ce moment-là. Il a grave craqué en fait. La scène d'Hinata l'a vraiment fait vriller, et même je prends la Grande Guerre après la mort de Neji face à Obito. Tu le vois vraiment, il est perdu le type, il est complètement perdu. Et c'est juste la claque d'Hinata, encore une fois, il y a toujours Hinata dans le coin qui le ramène un peu à la raison. Mais comme quoi, les femmes sont toujours là pour te recadrer un petit peu, c'est important d'avoir une femme. Et non, Alors, Naruto, oui. petite précision rapidement à Monsieur Graou par rapport à Toriyama. Bien sûr que Toriyama, lorsque je disais c'est simple, je parlais vraiment de lorsque tu ouvres le livre Dragon Ball. C'est tellement, il a tellement un niveau de storytelling à travers son découpage que ça a l'air simple. Il n'y a pas de trama, il n'y a pas d'énorme travail, tramage. C'est pas comment dire, chargé comme du Oda, et pourtant ça reste une masterclass dans le récit Dragon Ball. C'est ce que je voulais dire. Jamais de ma vie me permet de critiquer Toriyama. Comment? Le chargé n'est pas toujours bien. Voilà. Et justement, si Ouais, je me dites dis pas dans du mon mal de portrait Oda non chinois plus, hein. Détendez-vous là. voilà. Ah, de ouf, de ouf. Et justement, lorsque je dis dans le portrait chinois que j'aimerais être Toriyama, c'est parce que c'est une personne que je respecte énormément d'un premier temps, mais que je suis totalement gaga de Love Dragon Ball. C'est une œuvre que je lis une fois par an. Donc je vais bien sûr pas dire que Oda, que Toriyama, c'est trop simple à faire, etc. C'est pas du tout dans ce sens-là. Bref, on va Facile, clôturer. vas-y, vas-y.
On va clôturer ce petit portrait chinois. On va pouvoir vous présenter la deuxième œuvre de la soirée qui s'appelle Mimizuku, qui est un shoujo, Seb, c'est bien ça? C'est ça, Qui c'est est un shoujo. Mizuku est le roi de la nuit, le titre complet. Yes, et le roi de la nuit. Est-ce que tu peux nous le pitcher, s'il te plaît? Ouais, J'ai une alors. petite question. J'ai vu que c'était une adaptation, rapidement, j'ai vu que c'était une adaptation dans un premier temps et qu'au scénario, c'était Yu Suzuki. J'ai fait des petites recherches et j'ai pas Non. réussi à savoir si c'était le même Yu Suzuki Non, non, rien à de voir, rien à Sega. voir. C'est pas le C'est pas même. du tout, c'est D'accord, pas ok. du tout le Yu Suzuki de Shenmue. Non, 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 Voilà, t'enflamme c'est ce que pas. je me suis dit, mais. T'inquiète que j'aurais fait de la com dans tous les sens. Hein. Si ça avait été un roman adapté du scénariste de Shenmue, évidemment que. Bien sûr. Non, non. Je Non, non, m'excuse c'est de par vous contre c'est pas lui. ouvrir la porte à mon chat qui commence à vouloir défoncer la porte. Excusez-moi. Il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Non, mais d'autant que le scénariste, enfin Yu Suzuki, là, c'est la mangaka en fait. Le scénariste, c'est Kogyoku Inuki. Voilà. D'accord, ouais. Et L'œuvre originale, oui. en fait, du coup, c'est un shoujo qui a été publié dans le magazine Hanato Yume, qui est quand même le magazine le plus connu c'est un peu l'équivalent en shoujo du Shonen Jump. Le Hanato Yume, c'est le magazine dans lequel tu as eu Fruits Basket, par exemple, D'accord. Hana Yori Dango, je crois, oui, si je dis pas de bêtises. Bref, vraiment, c'est le Ah, magazine, évidemment, la. Yoridango, c'est incroyable ça. Voilà. Oui. C'est vraiment un magazine de ouf, et c'est une référence en shoujo. Là, on est sur un titre en 4 tomes, série finie, et en fait, ça se passe dans un monde de fantasy où on va suivre donc la jeune Mimizuku, qui est une jeune humaine qui erre dans une forêt toute seule. Elle a un étrange numéro tatoué sur le front. Elle a des chaînes au poignet et aux chevilles. Et en fait, on comprend que c'est une jeune esclave et elle se balade dans cette forêt qui est peuplée de démons parce que tout simplement, elle espère que les démons vont la dévorer et donc mettre fin à sa misérable existence. Voilà. Mais il se trouve que contrairement aux rumeurs viles qui se répandent dans la société humaine, les démons ne mangent pas spécialement les humains. Donc elle croise la route du roi de la nuit qui va la détromper. Et en fait, au contact de cette créature étrange, eh ben elle va redécouvrir peut-être la valeur de sa propre existence. Bien, Et beaucoup. faut que tu me donnes des cours de pitch, Sébastien. Là, tu fais naître en moi un complexe. Il faut vraiment que je m'entraîne pour être ne serait-ce que un pour avoir ne serait-ce qu'un dixième de ton talent dans les pitchs. Moi, j'ajouterais peut-être pour compléter, excuse-moi, ton pitch, que justement le Ah, roi de la il y a nuit, un donc. compliqué là qui est arrivé, j'aime bien. Ah, bien sûr. Ah, ouais, t'as vu ça. Pour compléter donc ton pitch. Que justement, il y a une espèce de relation qui va naître entre Mimizuku, pour le coup, et le roi de la nuit. Mange-moi, je veux pas te manger, quoi. Et qui nous tient Alors, en haleine et que. je suis assez d'accord, mais je l'avais pas dit pour pas trop spoiler. Mais oui, évidemment, bien Ouais, sûr. mais moi j'en ai rien à faire, moi. Demain, je sors de Doctor Strange, je raconte tout. Oh non. Mais c'est une belle œuvre avec un beau design et qui parle de sujets. Enfin voilà, on voit bien qu'en sous-texte, ça parle bon d'abord de harcèlement, ça parle de suicide, Sûr. ça parle en vrai de. On est dans un manga. Complètement dans un monde complètement fantasmé, dans un monde de fantasy, mais qui parle en vrai de problématiques très réelles et très ancrées dans notre société actuelle. Ça parle d'acceptation de l'autre, évidemment, de tout un tas de choses, et c'est très chouette. C'est évidemment un manga qui n'est, enfin, sans aller jusqu'à dire que c'est un manga réservé à un public adulte, parce que c'est pas à ce point. C'est pas un manga qu'il faut lire. Enfin, faut être dans un bon mood pour le lire. Voilà. Disons que si C'est vous très êtes dans un poétique. moment de votre life, peut-être vous le posez sur l'étagère et vous le rouvrez dans quelques semaines. Voilà. Ouais, je pense que je l'ai trouvé très poétique, en tout cas, de mon côté. Qu'est-ce que tu en as pensé, Soso? Exactement. Très poétique. Tu l'as lu, Soso? Oui, je l'ai lu. Et en fait, j'ai été agréablement surprise. Alors, je savais même pas que c'était un shoujo. J'étais pas trop attardée sur le délire. En fait, je trouve qu'il fait pas tant que ça shoujo, en fait. Enfin, pour quelqu'un qui ne connaît pas les shoujo, je pense qu'il serait agréablement surpris de. Il n'y a pas ce côté. Parce que, vous savez, enfin, les gens qui disent oui, les shoujo, je lis pas, c'est trop cucu. Justement, il n'y a pas ça dedans.
Il y a de quelque Ben chose de bah oui. très, très touchant, très profond et en même temps très, je dirais pas pur, mais en fait ce personnage-là est très dépressif. On part quand même sur un personnage qui veut crever hein, à tout prix. Ça, son existence ne peut plus. La fille dit, moi le passage lui dit oui, pourquoi t'enlèves pas ses chaînes? Elle lui dit, oh j'aime bien le bruit que ça fait. Genre ça me rappelle que je suis, Ah. enfin genre ça l'accompagne. Ouf. Il y a vraiment un côté très psychologique de enfin le personnage en fait en soi elle se considère même plus humaine en fait elle ne se considère plus ni humaine elle est ni démon ni humaine ni rien du tout elle a une psychologie au ras des pâquerettes et le fait de rencontrer ce personnage qui n'est pas humain non plus donc je pense qu'elle a vraiment mis de côté les humains comme quoi c'est ils ne l'aiment pas donc elle va pas forcément les aimer et elle apprend à essayer de j'ai l'impression qu'elle essaie de le séduire pour qu'il la bouffe elle le voit un peu comme un messie en fait qui pourrait abréger ses souffrances et en même temps elle retrouve j'ai l'impression qu'elle retrouve l'envie de vivre d'un côté parce qu'elle a rencontré quelqu'un qui ne la traite pas en esclave en fait. Donc j'ai trouvé ça très touchant la relation entre les deux est un peu platonique et elle est très pure dans son comportement. Donc j'ai trouvé ça très très frais, très doux et en même temps très sombre un peu. C'est un beau mélange je trouve. Et puis l'univers de la forêt, bah, j'ai l'impression qu'on est constamment dans la forêt Mononoke, tu sais, genre dans un milieu Ouais, joli, d'accord. folklore, mais en même temps hostile. C'est hostile constamment, en fait. Bien sûr. J'ai bien On avait Chihiro tout à l'heure, et là on a Mononoke. Bon, moi j'ai aimé. trouvé assez poétique comme on l'a dit tout à l'heure, mais je lis très peu de shoujo pour le coup, moi aussi, très très peu de shoujo. Je lis même plus de kodomo que de shoujo, c'est dire le rustre que je suis. Mais c'est vrai que celui-ci m'a pas mal m'a fait pas mal kiffer parce que avoir de la profondeur un peu, pas avoir que des patates dans tous les coins, tout ça, c'est aussi ce que je cherche un peu aujourd'hui. C'est pour ça que je lis aussi Pelleliu, par exemple, dont on a parlé dans d'autres émissions. Et celui-ci, bah, c'est pareil que c'est le même tarif que pour l'autre, en fait. J'attends de voir la suite. Et le fait que ce soit un format court, justement, en 4 tomes, pour moi, est une force aujourd'hui. Parce qu'on va pas, on va avoir le dénouement assez rapidement. Et c'est vrai que, se dire qu'on va pas attendre, 1 an, 2 ans pour avoir le fin mot de l'histoire et d'avoir, ça va être peut-être sur 1 an, du coup, sur, Même 12 mois. pas, ouais, si, peut-être un an, c'est entre 8 mois ou 1 an. Je sais plus si les tomes sortent tous les 2 mois ou tous les 3 mois. D'accord. Mais j'ai eu la même scène qui m'a un peu choqué que toi, Soso, l'histoire des chaînes. Non, je garde mes chaînes, ça me fait kiffer. En gros, c'est quasiment à dire, ouais, ça me rappelle que je suis vivante, quoi. Et moi, ça m'a. Pourquoi ils me font ça? Pourquoi ils me font ça, moi? Je suis un mec good Ah, c'est Non, vrai qu'il mais faut pas être. c'est marrant, mais c'est cool. Vas-y, je t'en prie. Ah non, vas-y, non, je disais juste qu'il fallait pas être dans une mauvaise période de ta vie quand tu dis ça, quoi. Non, mais c'est ça, on est d'accord. Mais non, mais par contre, c'est intéressant de voir vos réactions et entre guillemets un peu votre étonnement sur le côté shoujo, parce que justement, c'est ça. C'est vrai qu'en France, il y a tout un pan de des lecteurs, j'allais dire consommateurs, mais des lecteurs de et lectrices de manga qui ont tendance à classer dans le shoujo tout ce qui est justement un peu amourette au lycée, il m'a fait un bisou. Or, en fait, mais c'est pas du tout que ça, en fait. Et il y a tout un tas de discussions de critiques manga pour savoir ce qui fait la vraie différence entre le shoujo et le shonen, par exemple. Est-ce que c'est la présence du monologue intérieur? Est-ce que c'est l'utilisation plus de trames? Est-ce que c'est au niveau de la narration, etc. Mais du coup, en fait, il y a plein de shoujo où on va pas forcément aborder ce genre de sujet et où on va aborder potentiellement des sujets beaucoup plus graves. Rappelons que pour les mais bon, remarque c'est des bouquins qui sont vieux là que je vais citer donc que vous n'allez pas forcément avoir lu mais par exemple Angel Sanctuary de Kaori Yuki on va d'ailleurs tous les mangas de Kaori Yuki qui est un peu la papesse du manga gothique c'est du shoujo tout Clamp c'est du shoujo le 80% de 90% de ce que fait Clamp c'est du shoujo donc à D'accord. part Réservoir Chronicles à voir, et puis deux, Ça, c'est trois chouette. autres trucs qui se classent.
seinen, mais donc voilà. Et du coup, oui, c'est aussi pour ça qu'on a choisi Shoujo. Faut voir que dans le catalogue Vega Dupuis, c'est notre deuxième. Le premier, c'est un one shot, Chisako Garden, qui on reste encore dans des références ghibliennes, puisque c'est un truc avec le petit peuple, donc ça rappelle un peu Arrietty et le monde des chapardeurs. Et là, Bien sûr. effectivement, le but, c'était de, enfin, vraiment, Stéphane, il a été séduit et par le design qui est absolument sublime et par l'ambiance douce-amère que tu décrivais, Soso. Le côté, toi, Thiers, dont tu parlais du fait que, bah, c'est un récit court. Donc, ça permet effectivement aussi de ne pas non plus s'embarquer sur 25 tomes. Et honnêtement, voilà, ça va être le seul shoujo qu'on va sortir cette année parce qu'on préfère en sortir peu, mais vraiment bien les choisir, quoi. Et effectivement, Full Tokam, t'as raison, Banana Fish est un shoujo, par exemple. Yes, Tout à fait. exactement. En fait, quand il pense maintenant, c'est pour ça que moi, je cherche pas à savoir si c'est un shoujo shonen seinen, parce que quand il pense maintenant, on est complètement, enfin, tu vois les shoujo. Moi, je suis une grande fan de shoujo, et en fait, c'est vrai que le shoujo va tendance à amener plus de slice of life ou plus d'émotion dans ce qu'il fait. Mais quand tu prends des œuvres comme Blue Flag, c'est pas du shoujo, et pourtant, ça parle de période lycée, tu vois, il y a plein d'œuvres finalement. Orimiya, les gens pensent que c'est un shoujo, c'est un shonen parce que ça parle de période lycée, et donc les gens se disent shonen égale baston, et le reste c'est du shoujo. Pas du tout en fait. Je pense que le shoujo c'est juste comme on le sait très bien, c'est une cible éditoriale au Japon pour certains magazines, et point barre. Mais je pense qu'il faut Exactement. juste de pas s'arrêter à moi. Par exemple, si je devais ouvrir une librairie, eh ben, j'en aurais rien à faire de mettre shonen, shoujo ou seinen. Je mettrais juste par Bien délire, sûr. slice of life, school life, horreur, baston pur, genre, si ça, que tu cherches, en fait. Les classifications n'ont pas forcément un sens ici. Mais vous savez quoi? Vous m'avez un peu donné envie de me lancer dans un peu plus de shoujo. N'hésitez pas à me faire une petite liste, Soso, Sébastien, ou même le chat de shoujo indispensable qu'il faut absolument que je lise pour m'ouvrir un Nana. peu l'esprit et surtout. Comment? Ouais. Nana. Dana, ok, c'est noté. Nana, ouais, Nana. Je vais lire ça, je vais en lire quelques-uns et on fera une émission spéciale shoujo si on nous reste un peu de temps dans cette Lis saison, Fruit Sébastien. Basket, tu vas voir, c'est très joyeux. Fruit de basket? Ok. Ah. ça sent le piège à plein nez, ça. En tout Fruit cas, Basket. ça s'appelle. D'ailleurs, enfin, la réadaptation est incroyable, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que le nouvel ennemi est cool. Ouais. Donc, de notre côté, ça s'appelle Mimizuku et c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup le design du roi de la nuit. Je me demande un peu où ça va nous mener, encore une fois, pour faire Ah, Revenant référence à la Blue, il est première trop œuvre cool. qu'on a eue. D'accord. Je pense que je vais le lire, tu sais quoi, je vais le lire ce soir ou demain s'il est dispo enfin, t'as compris, dans notre petit nuage magique. Je sais plus s'il y est déjà, je vais regarder, mais je crois qu'il n'y est pas encore. Yes. C'est ça, tu fais saliver, tu fais ouais, moi je l'ai lu, ouais, le tome 2 il est super, et nous on doit attendre des mois et des mois, mais bon, c'est quoi, on va commencer pour le tome 1. Ceux qui l'ont pas lu, ça sort le 6, donc vendredi, c'est ça? Ça sort le 6 Non, mai, le et il 6 juin. sera le 6 juin. Ah, je pensais que c'était le 6 mai, mais vous savez quoi, il est à gagner en... Non, je crois que c'est le 6 mai, hein. Il me semble Mimizuku, que c'est le 6 mai, attends. vérifie. Ouais. Vas-y, vérifie, peut-être je me trompe. Il sort le 6 Non, mai, c'est non, ça? c'est 3 juin. 3 juin. 3 juin. Le 3 juin. Ok. Je savais que c'était Ok. juin. Bah, vous allez devoir 6 mai, attendre encore. De toute façon, on n'est pas. c'était Primal Gods. Ok. De toute Ah façon, on oui. va être amené à en reparler dans l'émission dans Culture Bulle. Et bah, d'ici là, on va vous faire saliver. Hein. Il n'y a que ça à faire, les gars. Je suis désolé pour vous, le chat. On va vous faire saliver. On va se la péter. Et on vous rappellera la date de sortie. Et il y a une personne qui va pouvoir le gagner. On verra si on peut lui envoyer un tout petit peu en avance si Sébastien est de bonne humeur. En tout cas, on peut continuer l'émission avec l'agenda des sorties. Justement, on va essayer d'être un peu plus carré dans les dates avec le tome 3 de Manchuria Opium Squad, mon chouchou, qui sort le 6 mai. C'est bien ça? Alors, tu as la bonne info, C'est pas ça? Mais mais c'est pas le 6 mai. Le 6 juin. on a eu un petit problème d'impression, du coup, en Ah, fait, mais là, c'est tout frais, donc c'est normal, voilà. Même moi, j'avais pas encore d'accord. la date exacte, et finalement, D'accord. Manchuria Opium Squad 3 et Genesis 2 sont décalés au 27 mai. Mais tu pouvais pas Le le savoir. 27 mai.
Je pouvais pas le savoir. Et tu sais quoi, le 27 mai, c'est la date de mon anniversaire. Voilà, C'est vrai? pour la petite anecdote. Ouais, C'est donc vrai, Pierre? c'est. Ouais, pour de vrai, pour de vrai. Non, mais parce Le que moi, je meilleur suis né le anniversaire. 28, en fait. Le 28 mai, incroyable. Ouais. Tu vois qu'on est lié. Ouais, mais moi, je suis né le jour où le tome 3 sort. Ah! Je suis né le 27 juin. Ouais. Voilà. Ah, C'est t'es un né le mois après, 27 juin? Non, mais c'est trop marrant parce que ma sœur est née le 26 juin et je te jure, il n'y a pas de blague. Mais... ouais, y a un Truman Show quelque part là. Il y a quelque chose. Je vais commencer à regarder partout là. Il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui cloche. Quoi qu'il en soit, Manchuria Opium Squad 3. Vous savez que je suis ultra fan de cette œuvre. On le répète encore et toujours. C'est le Breaking Bad actuel du manga. C'est une des grosses claques de la fin d'année 2021 et donc du début 2022 en seinen. Le tome 3 sort. Allez lire les tomes 1 et 2. Je vous promets. Si vous lisez et vous êtes déçu, je vous rembourse. Non, je déconne. Si vous lisez et vous êtes Vous dire déçu, c'est on en bien. parle au moins. Ah, et ça défonce. Honnêtement, ça défonce. Honnêtement, c'est sans regret. Moi, je me porte garant de cette œuvre-là. En seconde œuvre, excusez-moi, qui sort, on a Genesis, le tome 2 de Genesis, pour le coup, qui est décalé aussi, Sébastien. C'est ça, exactement. Décalé, pareil, 27 mai. Et c'est dû à la crise du papier ou pas? Ouais, en partie, ouais, tout à fait. Ça, Ça a ça créé devient. des problèmes, ça a créé des problèmes, des décalages de trucs, et bref, ils n'ont pas su livrer à temps, et donc du coup, voilà. Ah, la D'accord. crise du Et papier. vous l'avez. Et vous l'avez annoncé ou pas encore? C'est une exclue Non, Culture pas Bulle. encore, moi j'ai une info, genre je sais plus si l'info elle est tombée hier ou ce matin, un truc comme ça. D'accord. Bah écoute, on va s'armer un peu de patience, puis enfin, j'espère que vous allez vous ruer dessus. On a une troisième œuvre dans l'agenda des sorties. Je ne sais pas si c'est décalé pour le coup. C'est Birdman, le tome 11. Pas décalé, et c'est le 20 mai. C'est le 20 mai, tout à fait. Birdman, dont Et on a avant très peu ça, parlé dans effectivement, l'émission. pardon? Hein, Birdman, dont on a très très peu parlé dans l'émission. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots? Moi, je l'ai pas encore lu, mais ça me parle déjà. La cover me parle. Je l'ai dans un coin ici, le tome 1, d'ailleurs, qui est Birdman, là. compliqué d'en parler sans trop le spoiler pour le coup. En fait, c'est un groupe de lycéens qui est dans le bus. Je crois qu'ils rentrent de cours. Je suis pas tout à fait sûr, mais ils rentrent de cours. Le Le bus a un fameux accident. bus. Le fameux Voilà. bus. Vous savez Le comment c'est trop? bus a un Je suis trop accident. fort. Et en fait, ils vont être sauvés par une étrange créature. En fait, ça fait quelques temps, quelques semaines que dans la ville, il y a la rumeur comme quoi existerait une espèce d'homme-oiseau qu'on a aperçu à certains endroits, peut-être qui crée des accidents, on ne sait pas trop ce qui se passe, peut-être. Ouais. Et en fait, ils débarquent sur les lieux de l'accident, ils proposent de les sauver en les transformant eux aussi en Birdman. Et en fait, donc, on D'accord. est sur un shonen de super-héros. Sauf qu'en fait, c'est Yellow Tanabe, c'est l'autrice de Kekkaishi qui était sortie chez Pika. Et en fait, on est dans un manga où les héros qui doivent combattre des monstres pour sauver le monde. En vrai, les monstres, c'est plié en deux cases. Parce que ce qui intéresse l'autrice, c'est pas les bastons, c'est de se poser des questions sur, alors en fait, on est en train d'avoir des pouvoirs. Qu'est-ce que ça implique sur notre développement personnel? Est-ce qu'on est en train de devenir autre chose que des humains ou pas? Qu'est-ce que ça implique Alors. aussi quand tu es un ado en plein changement et que finalement tu as une force surhumaine et que tu peux voler? Bah, qu'est-ce que ça implique dans ton changement de comportement et ton changement de rapport aux autres? Et tout un tas de trucs. Pareil, et le groupe entre eux, avec les pouvoirs qu'ils vont avoir, comment est-ce que ça va changer les dynamiques entre eux, entre les personnages. Et du coup, c'est un manga qui est vraiment fantastique, qui est très joli en plus, Ouais, c'est intéressant. avec le dessin de Ouais, Yellow Tanabe. ça fait un peu C'est vraiment un shonen. On t'a pas entendu, Soso? Excusez-moi, je disais, ça fait un peu Chronicles, je ne sais pas si vous connaissez ce film. Je pensais, oui, avec Michael Ah, yes. B. Ah, ouais. Jordan. Moi, ça me fait aussi penser à justement Chronicle, ça me faisait penser à ça. Et ça me fait penser aussi un peu au développement de Tetsuo et la dynamique avec Keneda qui s'inverse un peu lorsque Tetsuo Ouais, a un ses, peu. euh, quand Tetsuo acquiert ses pouvoirs. Mais c'est vrai que on y pense très peu. Il y a aussi le film Hollow Man qui a été un peu dans ce truc-là. Lorsque tu as un pouvoir, la psychologie, comment tout change. Et c'est vrai que en manga, ça doit être intéressant. Moi, tu m'as donné un peu envie de le lire. Lorsque tu m'as dit manga de super-héros, j'ai dit, OK, My Hero Academia est là. Okay. Lorsque tu m'as dit, Rien à OK, voir. baston,
baston passe vite et justement on s'attarde plus sur la psychologie. Je trouve ça que c'est plutôt intéressant à voir. En tout cas, le tome 11 sort le 6 mai, ce qui veut dire qu'il y a le 20 mai, excusez-moi, ce qui veut dire qu'il y a déjà 10 tomes de disponibles chez tous les bons libraires. On va pouvoir passer au concours où on vous fait gagner le tome 1 de Mimizuku. Ça va être très simple, même procédé que tout à l'heure. Vous allez dans le chat et vous tapez point d'exclamation si on est prêt. Doug, est-ce qu'on est prêt? Point d'exclamation. J'attends que Doug soit prêt, hein. Doug qui est sûrement en train de boire une gorgée d'eau. Doug, 1, 2, 1, 2. Okay. Tu m'entends, Doug? Il est là. Et c'est parti. On vous tapait point d'exclamation. Mimi. Non, il n'a pas lancé le bon. Attendez. Point d'exclamation primale, attends. Il n'a pas lancé le bon. Il faut point d'exclamation. On arrête et on relance la machine. Ce sont les aléas du direct. J'adore dire ça. Sont les aléas du direct et on va donc. Alors, je ne vous entends plus. Dans un instant, je vous donne le go. C'est que les gens sont prêts. J'en profite en attendant pour rappeler, parce qu'on est passé très vite dessus quand on a fait le planning, qu'évidemment, on a parlé en début d'émission de Primal Gods in Ancient Times. Le tome 1 sort donc le 6 mai, lui, il n'a pas été décalé. Le 6 mai, bien sûr qu'il n'a pas été décalé. Mais ouais, ça sort le 6 mai. Et vous pouvez taper point d'exclamation Mimi, certains ont déjà commencé. Et on vous rappelle que Primal God sort le 6 mai. Manchuria Opium Squad le 27 mai. Genesis tome 2 le 27 mai également et Mimi et ouais. Birdman tome 1 le 20 mai, autant pour moi il est 23h02, tu commences à tirer un peu sur le 3 juin, on a le temps d'en reparler je pense dans la prochaine émission de Culture Bulle. Est-ce que tu as pas une petite exclusivité à nous lâcher, Sébastien? J'en profite que tu sois là devant nous. Alors actuellement, alors la vraie exclue, enfin vrai, c'est une exclue oui et non, c'est-à-dire mais je l'ai pas encore balancé sur les réseaux. C'est officiel, Vega Dupuis sera bien présent à Japan Expo dans l'espace éditeur. Donc n'hésitez pas à venir nous voir du 14 au 17 juillet. Voilà. D'accord. On va venir vous faire un gros coucou et voilà, n'hésitez pas à passer. Moi j'ai vu le stand que vous aviez fait à Angoulême justement qui défonçait. Et j'ai pas entendu ce Ça sera à peu près le même. On va l'améliorer sur 2-3 petits trucs, mais ce sera fondamentalement le même, ouais. Vas-y, on aura Webtoon. Des. Webtoon Factory sera là aussi? Ouais. Ok. Donc, il y aura du manga, bien sûr, toutes les œuvres dont on a parlé durant les émissions Vega Dupuis. Mais il y aura aussi un peu de Webtoon si vous voulez vous familiariser avec le Webtoon. Et je trouve que c'est cool. Et en plus, l'équipe est géniale. Vous allez pouvoir côtoyer Sébastien, le puits de science qu'est Sébastien, et en partir forcément avec de la valeur ajoutée. On peut arrêter le concours et avoir un gagnant. Alors, le gagnant est Nonorelli 07. Bravo à toi, tu remportes le tome 1 de Mimizuku. N'hésite pas à contacter encore une fois le compte Dupuis Direct et nous envoyer tes coordonnées, nom, prénom, adresse, et nous t'enverrons le tome 1. Tu es aussi invité à venir dans une prochaine émission, nous donner ton avis sur le tome 1. Mademoiselle Soso, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis longtemps, je voulais t'inviter. Je suis content que tu sois venu. Je te remercie pour ça. Tu es la bienvenue quand tu veux. C'était super cool. J'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que vous tous dans le chat avez passé un bon moment. Restez bien connectés parce qu'on va partir sur un raid que je vais checker. Sur qui est-ce qu'on part en raid? Il y a Karine Chan qui est on va aller voir. On va aller là-bas. Ok. Donc, on envoie un raid sur Kaorin Chan, vous lui faites un gros coucou de notre part. C'est Culture Bulle, n'oubliez pas, c'est tous les lundis à 21h sur Twitch. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, de suivre la chaîne Twitch. Et on se dit à lundi prochain et passez un gros coucou à Kaorin Chan. À plus, merci à tous. Bye bye. Merci pour les follow. Merci pour tout. Merci.